Voilà tout le monde, c'est Elgadjo. Alors, bienvenue dans Hybridation Mentale, émission podcast qui va essayer de discuter de sujets autour de la musique. Alors aujourd'hui, émission sur la musique et les jeux vidéo. Et je vais commencer tout de suite par présenter les invités. Donc d'abord on a Bencoz. Voilà, alors, salut artiste polymorphe, on va dire, beaucoup de contenus différents sur sa chaîne, musique, des plantes, aquaponie, etc. Un peu de montage humoristique, créatif, du format plutôt court-métrage aussi à thème poétique, et un peu de connexion avec le rétro gaming, tu nous en parleras, et tu as actuellement mis en route le projet Dépression, qui est un projet collaboratif. Donc voilà, si tu veux un peu compléter ta description, Bencoz. Moi, là, je trouve que tu as fait un super résumé. C'est le thème polymorphe, ouais, ça s'adapte bien. Je me définis plus comme un touche-à-tout. Après, avec l'expérience, c'est plus dans le domaine artistique que je me suis défini. Et sinon, ouais, j'essaye d'avoir une sensibilité assez ouverte pour vraiment être à l'ouverture des différentes personnes qui peuvent produire des différents types de contenus aussi. Ok. Et ensuite, on a Fantôme déconnecté. Donc, alors, sur sa chaîne, donc, il y a de la musique, différents albums avec, on va dire, différents styles, mais notamment de la musique de jeux vidéo. Et tes émissions Entretien Fantôme, donc c'est des entretiens avec différents invités pour parler de leur rapport avec et de leur expérience par rapport à la musique. Et apparemment, tu as d'autres projets aussi, donc tu pourras peut-être nous parler et différents formats qui vont apparaître. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Principalement, ma chaîne YouTube se divise dans ces deux catégories-là. La musique qui avait une place assez conséquente, et un petit peu, on va dire, au grenier, parce que ce ne sont que de vieux albums que j'ai postés il n'y a plus. Le dernier doit dater de 2015, il me semble. D'ailleurs, on a entendu un morceau au début de ton émission. Il s'agit du premier morceau de mon dernier album, Fantôme déconnecté 5. J'ai un peu pris l'habitude de faire des interviews depuis, il me semble, depuis cet été. Donc, ces fameux entretiens fantômes où j'invite des personnes de mon entourage amical ou musical, principalement, pour venir parler de leur parcours personnel, de leurs origines à aujourd'hui, qu'ils aient simplement une oreille mélomane ou quelque chose à proposer. Voilà, je suis assez fidèle. Et c'est vrai que dans l'avenir, d'autres formats vont apparaître, mais pour l'instant, je suis occupé, je suis pas mal occupé, ouais. J'ai des commandes à réaliser. D'ailleurs, ce week-end, on va enregistrer dans le studio de mon ami Smooth et Gilou un featuring que je fais en compagnie de Romain Guérin, qui sortira sur son premier album intitulé Fugue. Donc, je tiens à saluer Romain au passage. Voilà. Ok, super. Alors, déjà, merci à vous deux de participer à cette émission. Et les liens sont en description pour donc vous abonner aux différents réseaux sur lesquels nos invités sont présents. Et donc on va commencer tout de suite avec... moi j'ai une petite question d'introduction pour vous. Quel a été donc votre premier rapport à la musique dans les jeux vidéo? Votre ressenti, vos émotions, quoi. Et quel type de musique de jeux vidéo? Est-ce que c'était plutôt rétro, plutôt nouveau? Enfin voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien laisser commencer Fantôme. Il est curieux, il est curieux. Oui. Bien, je vais commencer alors. Ça remonte, moi, c'est un souvenir qui remonte à très très jeune, donc assez loin. Je le dois en grande partie à mon père, qui était toujours assez en avance sur les nouvelles technologies. Donc à son époque, on va dire que c'était tout de même le jeu vidéo qui n'était pas encore grandement installé dans l'esprit des gens. Donc il avait eu des Atari... Aussi loin que je me souvienne, il me semble qu'on avait un Atari 1080 ST, ou 1040, 1080, je ne sais plus très bien, voilà, ça remonte à plus de 25 ans hein, tout de même. Voilà, j'ai pas dû y jouer au-delà de mes 6 ou 7 ans, parce que la bécane a dû rendre l'âme. Donc de tête, je me rappelle de Pac-Man, une version Pac-Man dessus, mais je ne me souviens pas de la musique. C'est véritablement à partir de consoles de salon, telles que la Mega Drive, Sega Mega Drive, donc 16 bits. Là, j'ai des souvenirs beaucoup plus, qui sont diffus, mais quand même un peu plus tenaces. Donc, j'ai en tête Motoaki Takenouchi, compositeur des musiques de Landstalker. Donc, c'était une sorte de Zelda-like, qui faisait vraiment, c'était vraiment dans l'optique de concevoir un Zelda qui allait lutter contre le Zelda de Super NES, chose qui est strictement impossible. Hein. Soyons d'accord, hein, j'ai beau être un Sega fanboy, il faut se rendre à l'évidence, Zelda c'est intouchable. Mais la musique composée donc, par Takenouchi sur cet opus m'avait véritablement marqué. Ce jeu doit être de 94 ou 95. Et au préalable, il avait aussi composé la musique de la série des Shining Force. Donc il y avait Shining in the Darkness. C'était le premier de la série, je n'y ai pas joué à l'époque, hein, mais j'ai eu l'occasion de jouer à Shining Force 1, qui était techniquement sa suite, et Shining Force 2. Et l'OST de Shining Force 2 était composé par Takenouchi. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, le premier morceau que j'ai posté est un remix d'un morceau issu de Shining Force 2. Donc on peut dire, je pense avec c'est de façon assez évidente ce morceau-là qui se trouve sur ma chaîne YouTube, qui est un morceau qui est une sorte d'équivalent de la musique de la Fontaine des Fées. Mais comme je ne jouais pas à Zelda, je ne savais pas que c'était un plagiat, mais c'est vrai qu'il lui ressemblait excessivement. Mais de mémoire, c'est vraiment ce morceau-là qui m'a envoûté. Voilà, je me rappelle littéralement C'est un passage dans le jeu où cette musique apparaît et on se trouve dans un village qui n'a pas d'intérêt particulier pour l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut ne même pas rentrer dans ce village, il n'y a rien de particulier à y faire, il n'y a pas de personnage caché, il n'y a pas d'arme secrète, c'est un coin que les programmeurs ont décidé de concevoir pour le plaisir, j'ai l'impression. Et il s'y trouve une musique tellement envoûtante qu'on prend plaisir à visiter cet endroit simplement pour écouter cette musique. Et je mettrai pas ma main à couper, mais je suis presque sûr que si on va dans la section commentaires des vidéos YouTube qui contiennent cette musique, il doit y avoir pas mal de personnes qui le disent. Voilà. Donc ça, c'est mon premier souvenir. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Moi, j'étais assez précoce. Je jouais aux jeux vidéo à partir de 3 ans de mémoire. Voilà. Donc j'avais 4 ou Shining Force 2, je devais avoir allez, 5 ou 6 ans. Voilà. C'est 93, quelque chose comme ça. Voilà, pour ma part. Ah, une expérience qui remonte, alors vraiment une première expérience qui remonte, c'est intéressant comme point de vue. Et donc Bencoz, si tu veux partager aussi ton expérience. Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Vas-y, vas-y. Alors, je me retrouve beaucoup dans les propos de Fantôme déconnecté, notamment par rapport à la Mega Drive, ce genre d'expérience. Après, moi, concernant... on va plutôt s'attarder là déjà sur l'expérience des jeux vidéo avant de vraiment rentrer dans le brut du sujet. C'est comment dire. Moi, j'ai aussi eu droit. C'était plutôt l'Amstrad à l'époque. Je me rappelle. C'était. Il y avait la guerre aussi Atari Amstrad. Et donc j'avais des amis qui étaient plus vieux que moi. Parce que c'est vrai que quand j'avais autour de 5-6 ans, j'avais des pré-ados qui avaient leur père, qui avaient des micro-ordinateurs. Donc on avait un peu l'occasion de tester certaines choses, notamment les jeux d'aventure à l'époque. Je trouvais ça assez immersif, le format en fait littéraire et qui mettait beaucoup en place l'imaginaire et plus le jeu vidéo. Après, par contre, là, je vais évoquer un truc archi connu de tous, c'est le fameux Tetris. Voilà. Tout est connu, le principe, la musique. J'en ai même fait un remix plus tard par la suite parce que c'était un peu un hommage en fait à mon enfance et à ce jeu vidéo mythique. Et c'est vrai que cette musique, elle a vraiment tendance à rester dans la tête. Il y a la sonorité aussi qui, sur la petite Game Boy, je me rappelle vraiment de ce son un petit peu basse qui en ressortait malgré que ce soit 8 bits. Et... donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a touché de manière passive. C'est-à-dire on s'est tellement abruti sur ce jeu que on a créé une part de notre mental dans laquelle on était déjà dédié au format en fait de la musique de jeux vidéo. Et c'est vrai que par la suite, quand on a eu droit aux consoles de salon, moi j'ai eu droit à la Master System à l'époque avec Alex Kidd et ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et l'arrivée de la Mega Drive par la suite, ça a mis un grand coup, notamment au niveau... l'époque, moi, c'était Street of Rage qui m'avait beaucoup marqué. Et surtout, en termes de qualité de musique, c'était l'ensemble des Shinobi. Là, par contre, je prenais mon pied, même encore à l'heure actuelle, que ce soit en termes de musique, d'univers ou de gameplay, je me régale. Et voilà, ça a été vraiment, je pense, mon premier contact de cœur avec la musique de jeux vidéo. Et c'est vrai que par la suite, quand on a vu arriver la plateforme CD, quand les consoles sont passées ensuite au format 3D et CD, on a vu l'arrivée vraiment d'un autre format, quelque part musical, plus de l'audio brut et pas de la restitution modulaire. Et c'est vrai que là, on a eu droit plus à un aspect cinéma dans le comment dire au niveau du jeu vidéo. Et c'est plutôt à cette période-là que j'ai commencé à m'éloigner des consoles pour aller plus dans l'univers PC en fait. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour au niveau de l'âge. Il me semble que ouais, c'était plus autour de 9-10 ans par contre. C'était plus tardif que Fantôme. Par rapport à la musique du jeu vidéo, c'est vrai qu'il y a quand même eu un processus. Et tu as parlé de restitution modulaire. Et donc ça, je pense que vous êtes tous les deux quand même plus ou moins calés, et ce serait peut-être pas mal du coup de peut-être voir, de peut-être faire un petit historique, même rapide et vulgarisé, de ce qu'a été la musique, de son point de départ dans les jeux vidéo, jusqu'à aujourd'hui, comme tu dis, ce côté très Hans Zimmer dont on parlait l'autre fois ensemble, le côté très musique de film, où même les compositeurs, des grands compositeurs finissent par composer pour des jeux vidéo, enfin des grands compositeurs philharmoniques, classiques, ou de musique épique finissent par composer pour des jeux vidéo. Enfin, mais donc moi j'avais un peu relevé que depuis Pong, vraiment, qui est dans les racines des jeux vidéo, et qui utilisait plus des sons finalement, parce qu'il y a la notion de musique mais il y a aussi la notion de son, et la notion de son dans les jeux vidéo d'avant n'était pas non plus la même que maintenant. Donc et donc si vous pourrez peut-être rentrer dans le détail, je vais vous laisser parler ensuite. Donc il y avait de la musique de jeux vidéo à cette époque-là qui était directement liée, enfin restituée par la carte mère, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, etc. On n'était même pas encore dans le 8-bit dont on parle après, etc. Vous pourrez peut-être en parler mieux que moi à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Bon, je prends la main, et Bencoz finira dans le détail, je connais son professionnalisme. À l'origine, c'était le processeur qui permettait de faire tourner toute la bécane, hein, qui impliquait aussi donc la restitution sonore. Le souci, c'est qu'à l'époque, les matériaux étaient d'une assez faible qualité et ne permettaient pas simplement de posséder une polyphonie. Sur les premières consoles, il faut savoir qu'on était limité qu'à un seul canot monophonique. Donc, réaliser une mélodie comme ça, à part fournir un arpège, est encore uniquement possible si il n'y a pas d'effet sonore impliquant, par exemple, dans Pong, un élément comme une balle qui vient toucher, c'est cet élément qui la renvoie tout simplement. Mmh. Sinon, ça se chevauche, et à partir de cet instant, le processeur a un petit problème, parce que les musiques ne sont pas intégrées dans une carte son ou dans un disque dur. Elles ne sont pas intégrées, elles sont lues en direct. Voilà. C'est la carte son qui fait tourner la programmation. C'est-à-dire qu'on n'appelait pas ça de la musique de jeu vidéo, on appelait ça de la programmation musicale. Voilà, parce qu'il fallait passer par un processus binaire de traitement sonore. Et la machine la lisait comme une orgue de barbarie, tout simplement. Et donc, il y avait beaucoup de limitations, ce qui faisait qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de qualité dans la production musicale. Et les contraintes techniques obligeaient les compositeurs à composer d'une certaine façon. Et donc, ils étaient bien évidemment incapables de pouvoir produire de la musique de type musique de film, où on a plus d'une trentaine d'instruments simultanés, des montées, des descentes, et puis surtout que le produit soit d'une qualité sonore. Ben, ça, c'était strictement impossible dans les années 50. Bon, là, c'était vraiment de l'ordre expérimental, le jeu vidéo. On ne parlait même pas de ça de façon commercialisée. Ça l'a été à partir des années 60. À partir des années 70, on a commencé à légèrement se rapprocher de la console de salon. Mais encore une fois, le jeu vidéo à la base, ce n'était pas ça. C'était de la console d'arcade. Voilà. À l'époque, les gens sortaient, hein, donc on ne faisait pas chez soi. Non, mais ça voilà, ça, il faut le rappeler, parce que il y a des gens qui sont nés à une époque où en fait, on peut s'amuser depuis chez soi. On fait une émission depuis chez nous ce soir, par exemple. Mm. Strictement impossible il y a 50 ans. Voilà. Pour le commun des mortels, hein. Et encore, hein, même pour des grosses boîtes ou des grosses chaînes de télévision, c'était extrêmement complexe à réaliser. Et donc la musique en tant que telle, à travers les âges de l'univers du jeu vidéo, donc sur plus d'une cinquantaine d'années, a pu, grâce au progrès technique, se développer, passer de la monophonie à la polyphonie, passer d'un traitement par le biais du processeur à de la synthèse FM avec des effets de réverbération à partir des consoles 16 bits, à commencer avec de l'échantillonnage à partir des 16 bits, 32 bits, sur les batteries, on commence à s'en rendre compte. Exact. À partir des 64, 128, on est passé directement sur des sons enregistrés, des waves inclus directement dans la console. Ça, c'est vraiment grosso, voilà, donc je passe maintenant à Bencoz pour aller plus dans le détail sur les premières générations de consoles. Bon, mais là, tu m'as quand même embêté, parce que tu as quand même très bien dégrossi le truc, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Mais en fait, il y a quand même un gros élément qui sort du lot pour moi. et je vais revenir encore là-dessus, c'est le passage au wave, en fait, qui pour moi marque une transition. Donc je suis d'accord avec toi dans le sens de la limite technologique qui impose une limite créative, si je puis dire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est vrai que, que ce soit en termes audio comme visuel, on a beaucoup plus de possibilités. Mais c'est vrai aussi, à l'inverse, qu'au niveau créatif, on est nombreux à soutenir le fait que plus on a une contrainte, qu'elle soit technique ou imposée, et plus le produit va être une recherche quelque part personnelle. Parce qu'on est obligé de s'adapter à des contraintes. Donc, quelque part, on est obligé de chercher par soi-même quelque chose. La contrainte crée le genre. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a ce genre qui s'est perdu, il y a ce truc-là. Et en même temps, pour faire un passage aussi aux générations actuelles avec tout ce qui est de l'ordre du wave, là, je voudrais plus rentrer dans la technique par rapport à ce qu'on appelle les fréquences. Tu vois, la manière dont le son était généré sur ces consoles 16 bits, qu'on retrouve beaucoup dans le synthwave, le rétro synth actuel. C'est là où je voulais en venir. Et en fait, à l'heure actuelle, on remarque même au niveau des logiciels de composition musicale que quand on part sur des synthés, on veut aujourd'hui, on préfère plus travailler avec des fréquences qu'avec réellement de l'audio. Et en fait, c'est comme si on effectuait un retour aux sources, malgré le fait qu'on puisse toujours rajouter une qualité wave qui est la liberté actuelle. On peut capter du son à partir de n'importe quel appareil aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est une belle possibilité de pouvoir faire ce mélange de genres, si je puis dire. Tu parles principalement donc de la fameuse le travail de la sonorité par le biais d'une onde oscillatoire sur deux axes, horizontal et vertical. Exact. Il y a aussi ce qui me plaît beaucoup, mais on n'a pas retrouvé ça dans les consoles. C'est un style qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle la synthèse granulaire. Et ça, c'est vraiment un style qui, même à l'heure actuelle, qui fait très encore futuriste. C'est... Oui. Et... Ça se retrouve sur le Maelstrom de Reason. Voilà. C'est ce qui est marrant, c'est que sur les logiciels de musique actuelle, le processus de synthèse FM qui a été conçu pour les jeux vidéo est utilisé à toutes les sauces. C'est littéralement un élément central. Hein. Parce qu'en fait, ça possède un certain grain, qui est encore recherché par des artistes actuels et qui sont à la mode et à la pointe. En revanche, c'est le MIDI qui était une sorte de synthèse appauvrie. Enfin, c'était une synthèse du pauvre avec donc ce traitement en moins. On a remarqué qu'il y avait vraiment une perte de qualité. Donc c'était vraiment c'était un côté cheap et pratique. Je donne un exemple éminemment concret. Final Fantasy VII et VIII, mais on va prendre le 7 pour le coup. Donc il avait son OST a été composé depuis le microprocesseur de Sony, de la PlayStation 1, plus la synthèse FM, les effets de réverbération et compagnie. Donc là, vous obtenez la musique de Final Fantasy VII, considérée comme la musique de Zelda, c'est du solide. Et quand ils ont fait le portage PC, donc le PC, techniquement, offrait de meilleures opportunités visuelles. Le jeu était amélioré visuellement. La musique a été totalement gâchée. Et je vous invite à aller sur n'importe quel commentaire en dessous d'une vidéo avec l'OST. Je suis même pas, j'ai jamais écouté réellement les OST de Final Fantasy VII. Enfin, longuement, je me suis pas intéressé à me faire mal aux oreilles à ce point. Mais on remarque littéralement qu'il y a une perte, une perte sèche. Et ce dont parle Bencoz, vraiment ce grain, cette sensation, cette chose, ça a été conçu grâce aux jeux vidéo et ça se retrouve dans la musique encore à l'heure actuelle, parce que ça n'a pas été éprouvé jusqu'au bout. Et cette synthèse, elle provient de la fin des années 80, début des années 90. C'est à peu près la période que les gens essayent de mettre en image dans la musique, comme la synthwave, tout simplement, qu'on retrouve chez Perturbator et tous les mecs qui commencent leurs morceaux par une ligne de basse. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis un peu sur ce que vous dites. Donc, il y a aussi des thèmes qui sont créés. et qui sont intemporels, quoi. Enfin, on en parle un peu, les musiques de Zelda, même de Tetris dont on parlait tantôt, enfin, et la musique de Tetris, c'est une musique traditionnelle russe. Ah, oui. D'accord, ben voilà, ben, donc déjà, on en vient même à ce que je voulais dire, donc déjà, on a adapté, donc du coup, on a même adapté, on a fait revivre des musiques à travers les jeux vidéo, mais il y a aussi eu, le jeu vidéo étant tellement rentré dans la pop culture, et notamment aussi le rétro gaming, hein, je veux dire, ces dernières années, voilà, on réussit aussi à comment dire, à créer des inversions, vous voyez, là je m'étais un peu renseigné aussi, et par exemple, je voyais qu'il enfin, je le savais déjà avant, mais je savais pas que c'était aussi développé quand même, il y a beaucoup de compositeurs donc qui viennent d'un milieu très classique de la musique, on va dire, et qui finalement se font connaître grâce aux jeux vidéo, que ce soit en reprenant et en réadaptant des musiques de jeux vidéo célèbres, et puis ou en finissant par faire des adaptations et à rentrer dans le monde du jeu vidéo moderne de par la publicité qui se sont créées et tout ça, ou alors qui se passionnent pour ça et finalement font de la musique de jeux vidéo même à l'ancienne et reperpétuent en quelque sorte la tradition, etc., qu'il y a eu dans le jeu vidéo au niveau des mélodies, quoi, dans une structure moderne. Donc finalement, ben le jeu vidéo venant de cette base très très archaïque, comme on l'a dit, dans la première musique de jeu vidéo qui provenait du processeur, etc., comme tu as dit. Enfin, la musique du jeu vidéo s'est vraiment développée et s'est imposée, quoi, finalement. Et ce que vous disiez à propos du son vraiment de rétro gaming, etc., est très juste finalement, je trouve, vu que pas seulement dans la synthé web, on voit que c'est quand même des sons qui sont tout le temps utilisés maintenant, que ce soit dans la pop culture ou même dans sur des supports un peu plus underground, quoi. C'est vrai, et il y a un réalisateur de film qui est très connu, qui s'appelle John Carpenter. C'est le mec qui a aussi permis en grande partie de populariser cette sonorité. John Carpenter est réalisateur de films, mais aussi compositeur. C'est lui qui a fait sa musique, la musique d'Halloween, qui est un film des années 70, assez connu. C'est lui qui a fait la musique. Il a fait la musique de tous ses films, certaines fois. Et il me semble que pour The Thing, si vous écoutez la bande-son originale, c'est Ennio Morricone. Mais le morceau principal me semble être composé par John Carpenter. C'est simple. C'est une ligne de basse de synthwave avec une répétition assez binaire. Et c'est-à-dire que le processus de synthèse FM, il s'est retrouvé partout. Il s'est retrouvé au cinéma, il s'est retrouvé... je sais pas, ça doit être un Suédois, je connais pas non plus l'histoire du truc dans le détail à ce point-là, mais c'est un mec qui l'a inventé. Il l'a fait breveter, il l'a vendu son brevet, et à partir de là, ça ne s'adaptait pas simplement au processeur de jeux vidéo, mais ça s'est adapté pour tout le marché, le marché audiovisuel. Et pour le coup, John Carpenter, c'était un peu le mec, je fais des films géniaux avec 3 francs 6 sous. Hein. Parce que le cinéma, c'est marrant pour l'anecdote, le cinéma, c'était vraiment quelque chose qui coûtait cher. Le jeu vidéo, c'était un truc, comment dire, c'était du fan-made encore dans les années 80. Début des années 80, c'était fait par 10 mecs qui étaient puceaux et qui restaient enfermés chez eux en se disant « j'ai envie de créer le jeu auquel je voudrais jouer ». Ils ne pensaient pas devenir millionnaire grâce à ça. Aujourd'hui, le jeu vidéo rapporte 2 fois plus que le cinéma. Hein. Pour donner un ordre d'idée. Bon, c'est marrant pour l'anecdote. Mais cette façon de produire de la musique par le biais de la synthèse FM, qui provient à l'origine du jeu vidéo, ça a bouleversé toute une période et tout un environnement. Voilà, c'est pas seulement un truc qui provient d'un endroit, c'est tentaculaire, quoi, voilà. Ce qui fait qu'il y a ce côté rétro, on veut tous revenir dans les années 80. Mais tu parles aussi... en fait, tu parles d'un point de vue contemporain, comme tu dis... le rétro gaming, mais moi quand j'avais 5 ans, le rétro gaming ça n'existait pas, parce que en vérité c'est un mouvement qui provient des consoles de salon, parce qu'avant ça c'était une pratique d'esthète. Donc ça se trouve, ça existait des rétro gamers de consoles des années 60, mais il devait être 50 sur la planète. Voilà, ouais. Se retrouver pour jouer à des vieux jeux où tu as vraiment une seule note, un seul son, un pad, voilà, le premier pad d'Atari c'est en haut, en bas, à gauche, à droite, bouton A. Bouton 1, bouton, il n'y a pas de start, select, c'est voilà. Ouais, ouais, ouais. Vite, Bah, enfin, vraiment, il faut être un aficionado. J'ai un ami, il collectionne, hein, il a la version en bois verni et tout machin. Salut Vince, hein, je sais. Mais c'est plutôt pour le côté esthétique. Voilà. C'est pas lui qui va taper des high scores sur Pong. Tu vois. Ouais, ouais. Mais, je pense même que c'est parce que je suis dans cette lignée aussi et j'ai vraiment noté différents types de personnes. De base, je pense que c'est quand même très la nostalgie. Il y a un côté émotionnel et nostalgique aussi. Il y a un côté très... En fait, comment dire? Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que toute cette période est une période où chaque produit était matérialisé sur un support. Ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est assez important parce que c'est justement ce qui nous a permis de développer un côté nostalgique, de développer un côté affectif à l'objet. Et moi, par exemple, quand je regarde mes vieux jeux vidéo que j'ai gardés de l'époque, j'ai pas besoin d'y jouer, juste en tenant la boîte, ça me rappelle, ça me reconnecte à un passé. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la dématérialisation et on n'a plus d'objets. Et c'était valable pour la musique, pour les livres, et on en pouvait du coup développer un... Donc je répète, ce côté émotionnel. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le... Puisque c'est possible... De se rattacher à ses pensées, à son passé, au travers d'objets, je vois pas pourquoi il y en a qui le feraient pas. Je suis tout à fait d'accord, et j'ajouterais qu'il y a vraiment une coupure pour moi, en plus de ça, entre la façon dont on concevait un jeu avant et la façon dont on le conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'usine. C'est-à-dire que sur 100 jeux qui sortent, il y en a 90, c'est de la merde. C'est non négociable. C'est au moins 90, peut-être 95 même. Et sur les 5 qui vont s'en sortir, et qui vont pas être trop mauvais, c'est rarement des jeux à gros budget. Et donc ils produisent un truc un peu plus conséquent. Mais ce qui tranche, moi par exemple, je peux pas jouer un jeu où il faut appuyer sur une touche, rester appuyé sur une touche pour finir le jeu. Ça n'existe pas. Oui. Genre, excusez-moi hein, les fans d'Assassin's Creed, mais moi c'est pas un jeu vidéo. Ça s'appelle une cinématique. Moi, c'est ça, ce jeu, ça s'appelle une cinématique. Si je devais jouer, sincèrement, hein, je mettrais le mode de difficulté le plus élevé. Et j'aurais l'impression de jouer à un jeu pour enfants quand j'avais 6 ans. Quand tu finissais un jeu, quand tu étais gamin, il fallait se lever tôt. Hein. Il y avait une notion de difficulté. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation, ça a tellement développé la chose que même le jeu vidéo doit se consommer dans l'optique d'être mangé, fini, recraché, chié, jeté à la poubelle et on passe au suivant. Bon, on est en train un peu de s'évader de l'optique musicale. Mais je trouve que c'est un peu pareil par rapport aux plages musicales. Il y a... Oh, t'as tout à fait raison. La façon de structurer les morceaux, ça je l'avais expliqué la fois précédente. Par exemple, on reprenait la série des Street of Rage. C'est marrant parce que on ressentait j'ai ressenti en fait chez Bencoz une très grande forme de sincérité par le biais, quand il a parlé des premières références pour lui, par le biais de citations. Il a parlé de Street of Rage et il a parlé de Shinobi. Quel est le point commun entre les deux? Yuzo Koshiro, le compositeur. C'est-à-dire que c'est le même. Voilà, on y arrive. Il y a toujours je suis naïf, hein, je ne connaissais pas. C'est pour ça que. Voilà. Il y a un lien, mais je ne le savais pas. Tu vois, voilà. Merci. Enfin, le lien était d'origine donc musicale. C'est vraiment les deux plus grosses séries sur lesquelles il a composé. Mais la structure de ces jeux, c'était quelque chose d'assez commun à l'époque. C'était des beat'em all, on appelle ça. Donc un scrolling horizontal. Donc on prend un personnage qui se déplace de gauche à droite, il tape des mecs jusqu'à arriver à la fin, où il y a un mec un peu plus fort que les autres. S'il arrive à le vaincre, il va au niveau suivant. Et donc, la façon de composer la musique était structurée majoritairement d'après ce système-là. Les jeux, à l'époque, ils étaient souvent... C'est-à-dire aujourd'hui, on est en open world. Mais ça n'existait pas. L'open world, il n'a pas existé avant GTA. Genre, GTA, c'est 1980. J'exagère, tout le monde va me trouver un jeu Ultima, on va me trouver plein de... Oui, je parle de quelque chose de façon empirique. À l'époque, c'était scrolling. On parlait de scrolling horizontal ou vertical pour les jeux. 80% des jeux, c'était ça. Et le niveau se faisait en moins de 2 minutes. Donc le compositeur, on lui disait, écoute, moi j'ai un jeu à 20 niveaux, donc j'ai 20 chansons à te demander, plus les musiques de bonus, les machins, l'ouverture principale, la fin, quand tu auras buté le boss final. Mais majoritairement, 90% des musiques, tu dois les composer de façon à ce que... pendant 2 minutes, le mec se déplace et il ne faut pas qu'il ait l'impression de se faire chier. On ne pouvait pas demander au gars de composer une chanson qui faisait 2 minutes et 1 seconde. Sinon, on n'allait pas arriver au bout du morceau. Donc, il crée des boucles cycliques qui duraient 30 secondes, 45 secondes. Pour le boss, des fois 55, 1 minute, ça arrivait. Et donc, ça forçait le compositeur à s'orienter de cette façon-là. Ce qui a changé la façon de composer la musique de jeux vidéo, c'est à la fois la technique sonore, ce dont on a parlé précédemment, mais aussi la technique générale. Voilà. Le jeu évoluait graphiquement, techniquement, et ça permettait aux compositeurs d'avoir plus de largesse d'esprit pour composer. Mais tout à malheureusement, aujourd'hui, pour finaliser mon opinion sur la distinction de l'avant et de l'après, parce que je suis un gros réactionnaire, c'est que maintenant on est dans un open world, et donc on dit au mec, écoute, le gars il se déplace, il peut se déplacer 2 heures avant d'avoir une action, il peut ne pas se déplacer, donc en fait tu vas nous faire une piste qui fait chier personne, qui va durer 35 minutes, pour pas qu'on se rende compte qu'à la 35e on revient à la première. Ouais, c'est quasi de la musique d'ambiance, quoi. Voilà, c'est de la musique, c'est devenu un peu de la musique d'ambiance. Alors après, il y a aussi de la musique orchestrale de bonne qualité, tout ça, mais c'est devenu pas de la soupe, mais c'est la musique que je mets en fond quand tu fais autre chose, moi. Voilà. Et pour moi, ça ne remplit pas la même fonction de ce qu'était pour moi la musique de jeux vidéo dans son essence. Voilà, j'ai terminé. Oui, c'est ça, c'est un peu ce que tu dis. Je fais la petite parenthèse et puis je vais te laisser réagir, Bencoz. Parce que, à mon avis, t'as peut-être des trucs à dire. Est-ce que finalement, c'est pas logique aussi la façon. Enfin, comme tu dis, cette musique d'ambiance, elle a la fonction en fait de. Oui, comme t'as dit, pas faire chier le type pendant qu'il fait sa vie dans l'open world en fait. Mais. Est-ce que finalement même toute cette musique et dont je parlais très proche de la musique de film ou de la musique d'ambiance, c'est pas le résultat logique de la façon dont le jeu vidéo évoluait et ce dont tu parlais par rapport on achète finalement des films, les gens achètent des films et par rapport à la difficulté d'avant, t'as tout à fait raison, la difficulté d'avant et on est un peu là on est un peu sur RetroArch avec Bencoz, on rejoue un peu à des vieux jeux, on voit quand même, bon il y a des fois on ramasse un peu, hein, tu vois, c'est quand même pas la même chose quoi. Et la difficulté, je voulais aussi finir par ça, tu vois, la difficulté d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai un pote qui a acheté récemment sur PS4, donc il avait acheté Spider-Man, le dernier Spider-Man qui est sorti, il a mis la difficulté, lui il a un peu comme t'as dit, Fantôme, hein, c'est difficulté au max tous les jeux qu'il achète parce que voilà quoi, il a le même âge que moi, il est gamer depuis très longtemps aussi et voilà, il a pas envie de perdre son temps et son argent entre guillemets. Spider-Man, il avait fini tranquille en 2 jours et God of War qu'il a acheté un peu avant, il l'a mis au max et là la difficulté était beaucoup trop exagérée et il m'a dit en fait, c'est des gens qui ne jouent même pas. Ce cas-là de God of War, quand la difficulté au max est bonne, en fait c'est des gens qui paramètrent des choses et qui n'utilisent pas ensuite quoi. Et le jeu est finissable, il l'a fini, mais je veux dire ça n'a même pas, c'est même pas marrant d'y jouer en fait. Tu vois ? Regarde, je te la fais courte. Je suis le mec d'Electronic Arts. Je sais pas si c'est ça pour God of War. Mais God of War, ça reste un jeu où technique pour moi, il y a quand même de la difficulté. On va dire que c'est une exception. Mais voilà, moi je suis le patron. OK. Bon ben les mecs, on doit vendre 100 millions de ce FPS au connard. Il faut qu'on touche les vieux, les sourds et muets, les aveugles, les enfants, les fœtus. Il faut que tout le monde puisse finir le jeu. Donc en fait, vous mettez une difficulté standard pour les trisomiques et pour les OQI aussi. Et quoi qu'il arrive, on s'en fout. Nous, ce qu'il faut, c'est que les gens soient contents. Voilà. Il y a 20 ans en arrière, les gars, c'était eux-mêmes qui produisaient, qui programmaient tout. Ils programmaient tout, ils concevaient tout et ils faisaient ça avec leur cœur pour eux. Donc en fait, les programmeurs de jeux vidéo, ils avaient 132 QI, tu vois, ils étaient surintelligents. Donc eux, ils programmaient un truc dans lequel il fallait qu'ils aient un challenge pour y jouer eux-mêmes. Après, ils se créaient des debug modes, tu vois, et c'est arrivé dans certains jeux de Mega Drive. Tu tapes un cheat code au début du jeu, un mouvement particulier, et tu peux arriver sur une super difficulté qui a été conçue par les programmeurs. Mais à l'époque, même s'ils faisaient pas forcément ça à tous les jeux, ils mettaient une difficulté pour eux, tu vois. Ils la mettaient pas pour que ça se vende, voilà. Et donc c'est la marchandisation du jeu vidéo qui a le rendu médiocre. Voilà. Oui, même un autre. Donc moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais réagir. Donc déjà, il y avait le principe de boucle que Fantôme a mis en avant. C'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, je pense, dans la création par la suite. Parce que c'est vrai que dans l'électro, on fonctionne beaucoup par boucle. Et donc, c'est très proche, quelque part. Moi, je pense que maintenant, je fais un lien entre beaucoup de choses qui m'ont inspiré, et mes premières créations notamment, parce qu'on restitue au début ceux de quoi on s'est inspiré quelque part. C'est par la suite qu'on essaye d'évoluer un peu plus. Et il y avait un autre sujet sur lequel je voulais réagir aussi. C'était quoi les thèmes qu'on avait évoqués en dernier? La difficulté dans les jeux vidéo, la marchandisation du jeu vidéo. Non, oui, voilà. Et en fait, j'ai un truc qui a un peu rien à voir avec ça. C'est que je me souviens à l'époque qu'on avait des jeux textuels. C'est-à-dire, on avait ce qu'on appelle un format point and click, et on pouvait taper le genre d'action qu'on voulait effectuer. C'est important que tu parles de ça, c'est bien. Ouais, parce que ça nous, même si on n'avait pas des open world, on avait une liberté de réflexion. Et on pouvait, par exemple, passer, essayer 30, 40 essais à, par exemple, je vais prendre ce fameux jeu que certains ont dû connaître, c'était Lésure Larry Suite, où on incarnait un célibataire un peu à la ramasse qui essayait de draguer un maximum de nanas. Et en fait, il y avait, c'était un truc tout con, mais il y avait certains objets sur lesquels on pouvait effectuer des actions spéciales. Mais il fallait avoir peut-être suffisamment de curiosité ou peut-être d'imagination pour venir, par exemple, à faire des associations d'idées. Et c'était pas en fait pré-mâché. Il y avait vraiment, réellement une réflexion de la part de celui qui était dans cet univers. Et quelque part, ça demandait une logique d'investissement. C'était vraiment pas mal. C'était quelque chose que je retrouve plus à l'heure actuelle. Ah non, mais ça, c'était quelque chose. Et moi, j'ai une référence et j'y jouais sur Atari ST. Extrêmement... C'est simple, j'ai eu du mal à aller au-delà de la première pièce. C'est Maniac Mansion. Ah oui. Commodore, Atari. Ça, c'était du point and click au ralenti avec 50 actions possibles. Aucun élément sur lequel tu passes, sur lequel tu peux avoir une action qui brille ou quoi que ce soit. C'est... à la guerre comme à la guerre. Là, à la limite, tu peux jouer à 5 ou 6 en même temps au jeu, avec un crayon, un papier, un machin. Pour le finir, faut s'accrocher. Pas mal de noms. J'avais Full Throttle, Sam & Max, Hit The Road. Il y avait... Oui, Monkey Island. Voilà. Ça, c'est un des... Monkey Island Ouais. The Monkey Island. Ok. Ça, c'était chaud aussi. T'avais Myst. Après, ça, c'était un point and click en FPS. Oui, Myst et la Merzone aussi. Exact. Bah, ces jeux-là, vraiment, j'ai l'impression que c'est la dernière, d'ailleurs, Myst, Myst en 3D, la Merzone, etc. Ah, en 3D pré-calculé. Oui, bah, Road to India aussi. Je parle vraiment, en fait, de la fin de vie de ces jeux-là, quoi. J'ai l'impression que je vois très bien temporellement où ça se situe, parce que j'ai eu la dernière vague de ces jeux-là avant, tu vois, avant toute la 3D. Enfin, c'est vraiment dans le début des années 2000. J'ai l'impression que c'est mort ces jeux-là. Tu sais, on avait encore un truc. Ça faisait déjà trop penser pour les jeunes à un jeu éducatif. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ce qui s'est vraiment démocratisé à l'heure actuelle, c'est le jeu par exemple, sur les Facebook, les petits jeux où je vois beaucoup de mamans jouer à ça. Des femmes d'un certain âge qui jouent au jeu des erreurs, où elles doivent cliquer de partout sur une image pour faire l'enquêteur ou quoi, mais il n'y a plus ce côté investissement dans le jeu. Ouais. Oui, tu voulais dire un truc, Fantôme? Je voulais revenir sur le côté musical concernant ce que tu disais par rapport aux musiques qui étaient conçues pour rester dans la tête. Et je pense que le lien n'a pas été fait quand j'ai parlé de ce côté boucle. C'est que voilà, les mecs, ils avaient une contrainte, ils n'avaient pas plus de 30 à 45 secondes pour faire boucler le morceau. Et donc, généralement, on peut même faire la référence aux musiques de Ennio Morricone, qui lui fonctionnait beaucoup par système de boucle et comment dire, et redondance, parce que dans les films de Sergio Leone principalement, il y avait beaucoup de scènes où, par exemple, un méchant était incarné par un son. Et il revenait plusieurs fois. Donc il y avait plusieurs adaptations de ce morceau. Et pour qu'on sache que le thème était le thème du méchant, ben, il décidait que là, ce serait une flûte de Pan qui jouait telle note. Et donc, dans le crâne d'Ennio Morricone, il y avait une façon de structurer la compo de la même façon que les compositeurs de jeux vidéo fonctionnaient. C'est, je dois mettre dans le crâne en moins de 30 secondes un thème qui va rester. Et il faut que je le fasse bien parce que de toute façon, je n'ai pas le droit à l'erreur. Si j'y arrive pas, le morceau, il va peut-être jouer 15, 5-6 minutes, 10 minutes, si le mec reste dans le niveau, il va vite s'emmerder. Mais en même temps, il faut que ce soit agréable, parce que si dès la première répétition, ça l'a vite ennuyé, ben, dès la deuxième, ça va l'énerver. Et donc, c'est cet impératif temporel et technique à imposer à lui-même, au compositeur de musique de jeux vidéo, ce côté intuitif. Et j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Prenons l'exemple sur Nobuo Uematsu, qui est donc le compositeur de la série des Final Fantasy. Mmh. À l'origine, il était compositeur publicitaire. C'est-à-dire que les compositeurs de musique de jeux vidéo dans les années 70-80, leur gagne-pain, c'était de faire de la musique de pub. Et le jeu vidéo était rangé dans cette gamme-là. Et faire de la musique de pub, c'est fonctionner sous la contrainte temporelle et de mettre un truc qui rentre dans le crâne. Voilà. Donc, à l'origine, le compositeur. Oui, ce lien donc, que tu as fait avec la publicité est bien. Et je voulais moi aussi faire un lien du coup avec peut-être dans une certaine période, peut-être 80-90 notamment, mais... avec peut-être la musique de dessin animé aussi, tu parlais de sons qui correspondaient au bruit d'un méchant, etc., ou au pas, enfin, du coup, il y a peut-être aussi beaucoup d'inspiration à aller voir de ce côté-là, mais du coup, je me demandais, enfin, non, vas-y, Bencoz, si tu veux réagir sur ce qu'a dit Fantôme. Non, là, ça va, vas-y, développe encore. Oui, je voulais justement, alors, c'est un petit sujet que j'ai oublié tantôt, est-ce qu'il n'y a pas... des compositeurs de musique de jeux vidéo, on va dire rétro, dans toute la période rétro, donc je ne sais pas, moi fin 60 jusqu'à fin 90, qui auraient, qui ne seraient pas des professionnels et qui auraient été, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont développé finalement des programmateurs et pas des compositeurs qui ont développé des musiques mythiques et qui n'étaient pas professionnels de la musique, et peut-être qu'ils avaient une sensibilité musicale ou qu'ils ont réussi à exploiter le programme comme il fallait pour sortir quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas des exemples, ou est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Je ne sais pas. Je pense que, alors je parle vraiment sans savoir, et j'y vais sans filet. Je pense que non. Pourquoi? Parce que composer dans les années 90 avec un home studio, c'était à la portée d'1% de la population. Mmh. Voilà. Donc, si tu n'étais pas musicien de formation, que tu ne sortais pas d'une école, ou tu ne t'orientais pas professionnellement pour ça, tu ne pouvais pas vraiment en fait, être un mec qui bidouillait chez lui sans aucune connaissance. Dans les années 90, c'était... Je pense que, voilà, surtout, en plus, tu rajoutes pour le jeu vidéo. Alors là, c'est de la niche, de niche, de niche, tu vois. Moi, aussi loin que j'ai regardé, je pense que la plupart des compositeurs des années 90, 80, c'est que des gars qui sortent d'une école. C'est que des gars qui ont fait une école de classique, qui maîtrisent un instrument, violoncelle, ou généralement c'est du piano. Parce que l'instrument de composition, on n'en a pas parlé, mais c'est le synthé. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est l'instrument. Voilà. C'est pas les mecs, il n'y a pas vraiment un compositeur guitariste, il n'y a pas de guitariste, il n'y a pas un... Voilà. Mathuel Men, peut-être. Mathuel Men, le compositeur de musique de Diablo. Il y en a, mais peut-être pas dans ce domaine-là, en tout cas. Oui, c'est sûr. Ouais. Enfin, ouais, oui, oui. Mais donc, voilà, pour répondre, pour essayer de tourner court, je pense pas. Je pense pas. Je pense que dans les années 90, non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de la musique de jeux vidéo. Pourquoi? Un synthé, une carte son, un logiciel. Si tu as un peu joué en téléchargeant gratuitement, machin, tu t'en sors pour 150 balles. Un clavier oui, 64 touches, voilà, pas besoin de toucher, une carte son avec une entrée. T'as même pas besoin, c'est un MIDI. Je sais même pas pourquoi je te parle de carte son, tu vois, si on travaille en MIDI. Ouais, 50 balles, un PC. Bon, si t'as pas de PC de base, bah, tu peux pas regarder l'émission, tu vois. Mais ouais. tu peux le faire sur un téléphone, même aujourd'hui. Tu peux le faire sur un téléphone, tu peux le faire sur un pad. Aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas d'excuse. Mais à l'époque, c'était trop... Bah, c'était encore segmenté, quoi. Enfin, je pense. Hein. Donc, que quelqu'un me trouve un compositeur qui vienne de nulle part de cette époque, mais je crois pas. Ok. Bah oui, non, mais c'est ta réponse. C'est argumenté. Non, je pose vraiment la question. Oui, vas-y. Je suis plutôt ton avis, mais je pense qu'il y a quand même eu, dans le cas de Pong, que nous a cité Elgadjo, je pense qu'il n'y avait tout simplement pas de compositeur dessus. Hein. Il y avait juste des programmeurs qui ont mis un son sur le programme et... Il me semble, moi, je crois qu'il n'y a pas de musique dans Pong. Voilà, donc ça a fait son succès sans... Ouais, je pense que ce cas-là est possible, qu'il y ait eu des succès sans forcément des grands compositeurs ou de musique particulière. Mais non, je pense pas qu'il y ait eu Enfin, à mon souvenir, non, j'ai pas de surprise, quoi. Ok, ouais. C'est parce que voilà, on ne sait jamais. Vous savez, dans un vieux jeu vidéo des années 70, une musique qui serait restée un peu épique, voilà, je ne sais pas. Je m'interroge, hein, j'ai aucune réponse à apporter. Je ne suis pas là avec voilà, mon compositeur inconnu déjà préparé. Et si, lui, il a déjà fait. Non, mais je pense que voilà, si tu regardes, tu tapes musique de jeux vidéo, tu tapes les plus grosses têtes. Ouais. Genre, tu prends les 25 ou les 30, même les 50, je pense qu'ils sortent 99%, ils sortent d'une école de musique. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Pas pour les petites. Je parle uniquement pour surtout dans le domaine du rétro gaming. Voilà. Les jeux en 2D, les jeux produits par des petites boîtes. Tiens, d'ailleurs, voilà. Moi, à l'heure actuelle, je travaille sur un projet. Donc, je fais l'OST intégrale d'un jeu qui va sortir en ligne sur une grosse boîte de production. Moi, je suis totalement autodidacte. Donc, je suis la preuve que, pour le coup, à l'heure actuelle, on peut être donc n'importe qui. Oui, je reste tout de même fantôme déconnecté. Mais voilà, et que on puisse produire de la musique pour un jeu vidéo. Mais moi, imaginons que je me téléporte 25 ans en arrière. Je fais toc-toc, je tape à la porte, je dis salut les gars, je sais faire de la musique, mais je sors d'un peu de nulle part. Parce que je me téléporte dans le passé sans le matériel, tu vois. Oui, c'est ça. J'arrive devant les mecs et je leur dis bon, ben, je vais le faire. Il faut savoir un truc, il fallait que je sache programmer aussi, quoi. Tu vois. Ah ouais. Programmer. Bon. Non, oui, c'est ça. Les gars. Mais du coup, je voulais ramener un peu parce que j'avais parlé de musiciens virtuoses et comme ça fait un peu le petit enchaînement par rapport à ce qu'on dit, donc qui se sont servis un peu de la pop culture, de la musique, du jeu vidéo. Est-ce que vous pensez qu'à l'inverse, du coup, il y a eu de la virtuosité chez les compositeurs de musique de jeux vidéo, peu importe la période. Par exemple, moi, dans un exemple célèbre qui va vous... Je ne sais pas si on peut parler de virtuosité, mais par exemple, le thème principal de Mario, pour être pratiquant d'un instrument, n'est pas si facile que ça à exécuter. C'est quand même, ça demande quand même un petit travail je n'ai pas assez exploré au niveau de la pratique de l'instrument, la musique de jeux vidéo en général, mais je pense quand même que même on peut voir ça dans des génériques de films ou même des musiques de films. J'ai quand même l'impression que il peut y avoir ça dans l'autre sens, quoi, des compositeurs de musique de jeux vidéo virtuoses finalement. Je vais la faire courte et je laisse à Bencoz sa réponse. Pour moi, la virtuosité, c'est la définition de la pratique d'un instrument. Dans le cadre de la programmation musicale, il n'y a pas de pratique. Donc, il n'y a pas de virtuosité, techniquement. Pour moi, hein. Okay. Voilà, c'est tout. Ouais, d'accord, ok. Moi, je pense plus à certains cas de jeux vidéo qui, à l'époque, par exemple, de la Mega Drive, où on avait... comme ce que tu as cité, Fantôme, tout à l'heure, un scrolling soit vertical, soit horizontal. Et on avait certains jeux qui simulaient de la 3D, et qui étaient très futuristes à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait même des pseudo-lunettes 3D pour ajouter de la profondeur, de ce genre de choses. Et je me souviens que sur ces jeux, on avait tendance à avoir vraiment quelque chose de... Comment dire ? Limite de la trance actuelle, quoi, sur ces morceaux. Et c'est vrai que donc l'aspect visuel qui était déjà hyper on était à deux doigts de faire des crises d'épilepsie, quoi, pour être concret, plus cette musique qui était très futuriste. Je pense qu'il y a plus eu des ambiances qui ont créé justement quelque chose d'assez mythique à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je remarque que c'est plus justement de la musique orchestrale, des jeux comme Skyrim, donc on revient plus à quelque chose à la limite d'orchestral pour créer un sentiment épique, alors qu'avant on était plus aussi dans ce... je sais pas, on pouvait justement, comme là, il y avait une limite technique et qu'on était beaucoup dans la projection aussi, dans le futur. On s'imaginait en fait toutes les technologies qu'on a aujourd'hui et ça nous faisait rêver, alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne rêvent pas trop en fait, hein, c'est ce que je remarque. Ils y sont quoi, un peu. Ouais. Mais moi je suis curieux de savoir ta réponse, parce que tu nous as fait une petite digression par rapport à la question de la virtuosité dans la musique de jeux vidéo, Bencoz. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est totalement vrai. Mais quel est ton avis sur la question de la virtuosité potentielle des compositeurs de musique de jeux vidéo de l'époque ? pour moi, il n'y a pas de virtuosité, il y a juste du travail. C'est le travail qui fait le talent. Et de toute manière, à l'époque, comme tu l'as dit, le jeu vidéo était un domaine ingrat. Donc même si tu étais un virtuose de l'époque, tu vois, c'est aujourd'hui qu'on reconnaît le talent d'un Zelda, que ça a pris la pleine ampleur. Ouais. Donc c'est comme l'art, en fait. Pour moi, le jeu vidéo, ça fait partie du domaine de l'art. Et d'ailleurs, il me semble que ça a été défini comme le 8e art. Donc, oui, je crois. Oui, officiellement. Oui. Bah, voilà. Du coup, j'enchaîne. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, des orchestres philharmoniques, par exemple, qui reprennent les grands classiques des jeux vidéo? Pour avoir été plusieurs fois dans des concerts du genre, moi, je suis allé voir 5 à 6 fois le compositeur des musiques de Final Fantasy en concert, dans 3 cadres particuliers. La première fois que je l'ai vu, c'était quasiment c'était le rêve, parce qu'il avait un line-up amoindri. Il avait un bassiste, il y avait 2 synthés et un batteur, et il rejouait les musiques de Final Fantasy avec des sons MIDI en plus, et pas un côté kitsch rock, parce que les Japonais, ils sont en retard sur la musique populaire de 15 à 20 ans, c'est un truc de fou. Genre, les mecs, ils ont des groupes comme, tu vois, à l'heure actuelle, comme Motley Crue, quoi. Bon, bref, passons. Donc, la première fois que je les ai vus en concert, c'était vraiment... Bah, j'ai rien contre Motley Crue, mais je suis plus dans les années 90, donc voilà, c'est kitsch maintenant. Et donc, je l'ai vu dans ce contexte-là, c'était magnifique. Après, je l'ai vu avec son groupe de métal, donc les Black Mages, c'était merdique, mais je le savais, hein. Mais on va dire, pour la forme, j'y suis allé. Donc, c'est les mecs rejouent les thèmes façon métal, ah ouais. Totalement kitschissime. Ouais. Et les versions orchestrales. Les versions orchestrales, en fait, elles ont quelque chose, elles ont une grandiloquence qui je vais pas dire qui dénature, mais qui enlève un peu d'authenticité. Ouais, en fait, un certain degré de remise en place et d'orchestration. C'est un morceau classique, mais c'est plus l'âme de la boucle s'est fait tuer, tu vois. Et certains morceaux, on le garde. Il y a le thème d'Iris qui est intouchable, tu vois, tu peux l'adapter. Parce que, en fait, il a été quasiment composé comme si c'était un morceau orchestral avec les effets MIDI. Donc ça, si tu veux, il n'est pas maltraité, le morceau, tu vois, au traitement philharmonique. Mais c'est intéressant, ok, c'est intéressant, mais on quitte les années 80 et 90, quoi. Voilà, on quitte cette atmosphère. Par la sonorité et par la façon dont est menée la structure de la composition. Toi, ça ne t'a pas transcendé, je veux dire, ça ne t'a pas... Moi, j'ai jamais assisté, mais j'ai eu des témoignages et je sais que... Il y a des gens qui étaient un peu de ton avis, ouais. Mais il y en a aussi qui m'ont dit que vraiment, ça les a transportés, que le fait qu'avec toute cette instrumentalisation, cette orchestration, a vraiment transcendé le truc. Donc oui, enfin, j'ai vraiment eu un peu les deux avis, quoi. Alors, je te dirais que moi, j'aime le classique. Ouais. Et on va pas se mentir, en fait, le compositeur de musique de Final Fantasy, c'est pas mal, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas Bach, c'est pas Wagner, c'est pas... D'accord, ouais, dans ce sens-là. Ouais. C'est la vérité. Donc en fait, j'ai une vision d'esthète qui fait que c'est de la sous-musique classique, ouais. Et c'est de la... Et c'est plus de la musique de jeux vidéo, tu vois. Donc en ça, il y a une perte des deux côtés, tu vois. Donc c'est perdant-perdant pour moi. Mmh. Mais ça reste un très beau truc. C'est-à-dire que si t'as jamais entendu ces musiques de jeux vidéo, tu vas passer un agréable moment. D'accord. Si t'es pas un fondu de musique classique, tu vois. Enfin voilà, moi je pense que c'est ça. Et il y a le côté Madeleine de Proust, de perdre la sonorité de ton enfance. Voilà. C'est un peu le fait d'entendre un son. Je sais pas, je me rappellerai, voilà, j'avais les larmes aux yeux. Le mec joue le thème de Terra en live avec un son MIDI qui n'est pas le son MIDI de la Super NES, mais qui est un son qu'il a téléchargé depuis son logiciel. Et tu rajoutes un bassiste, un vrai batteur sur le truc, mais avec des éléments électroniques. Et là, tu as l'impression, en fait, que le gars, c'est comme s'il avait fait, il avait recomposé son morceau sur une autre console qui n'est jamais sortie, tu vois. Ah ouais. Incroyable. Et il existait quelques extraits vidéo de ce concert et tout a été supprimé. Et je sais même pas quel titre. Et c'est simple, hein, les commentaires étaient dithyrambiques. Il y a très peu de personnes qui peuvent se targuer de l'avoir vu en concert. C'est parce que cette formation, elle a eu lieu. C'est pour sa première venue en France. Donc pour son premier concert français, c'était ça. Et il l'a plus jamais refait. Et il a fait ce concert 2 fois de suite. Il avait joué en Belgique, donc la veille, une fois. Et après, il a joué 2 fois de suite, le week-end complet à Paris. J'ai fait le concert les deux concerts de suite. Incroyable. Voilà, c'était mon témoignage de la musique de jeux vidéo. D'accord, d'accord. En classique ou pas, en concert. Non, bah oui, c'est. Okay. Et toi, Bencoz? Non, j'ai plutôt le même avis que Fantôme. Surtout concernant les jeux qu'on appelle rétro aujourd'hui, et leur reprise concernant le classique. Par contre, il y a certaines personnes, il y a une nana notamment qui fait des reprises au violon des musiques épiques, justement le jeu que tu as cité, Fantôme, c'était quoi? Assassin's Creed, il me semble. Ah oui. Voilà, donc elle fait des reprises au violon, des choses comme ça, et je trouve ça un petit peu magnifique parce que ça colle à l'univers quelque part. C'est pas de Adèle que tu te parles, Adèle. Non, je t'enverrai le lien, c'est Lynn Gameuse, il me semble. Ah d'accord, c'est une youtubeuse. Une petite youtubeuse qui fait du gaming, et j'avais trouvé ça surprenant, la nana s'était mis un jour à faire un facecam, elle a sorti son violon, elle nous a fait un truc épique. J'ai dit, mais il faut que tu nous refasses, que tu continues. Tu vois, c'était le fait de voir qu'elle avait cette passion pour le gaming, mais que derrière, elle avait réellement rapporté ça sur sa passion technique, si je puis dire. Là, ça y est, pour moi, le personnage avait une nouvelle apparence. Et de toute manière, le classique, pour moi, je préfère l'aborder en direct. Et plutôt que de passer par des remixes, ce genre de choses, j'ai pas mal de mal là-dessus. Mais... Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on voit des adaptations de morceaux actuels en version 8 bits. Oui. Alors, c'est vraiment ça s'appelle le chiptune. C'est dommage, parce que je crois que je suis trop jeune, ou alors que je suis trop vieux, mais j'aurais bien aimé qu'ils le fassent sur du 16 bits, avec les processeurs d'époque et la synthèse FM. Parce que moi, c'est vraiment le son de la synthèse FM qui me touche, exact. Qui me parle. Et ils font, donc on peut taper, en fait vous tapez, j'en suis persuadé, prenez n'importe quel groupe de musique déjà connu, et prenez, je sais pas, Metallica, vous tapez Metallica 8 bits, Zelda 8 bits, ce que vous voulez 8 bits, et vous allez avoir toute leur discographie quasiment, réalisée par synthèse sonore, enfin par processeur sonore, émulée par des hackers qui ont récupéré les sonorités de processeurs d'époque. Voilà. Donc c'est marrant, il y a un côté rétro, même dans la façon de s'approprier les musiques populaires. Ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu comme je disais, et voilà, il y a aussi un peu l'inverse, des gens qui font passer les jeux vidéo dans le classique, des gens qui prennent les autres musiques, qui les font passer dans l'univers du jeu vidéo, ça va un peu dans tous les sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que finalement, le jeu vidéo, il nous a... Enfin, comme je disais, il s'est imposé, quoi. Il s'est imposé comme quelque chose faisant partie de notre culture, et c'est tout à fait normal, hein, au vu de ce qu'il est devenu et de la façon dont il a évolué. Mais voilà, et donc, je voulais un peu enchaîner avec parce que j'avais eu une réflexion sur, en fait, on évolue un peu justement sur ce que tu disais, sur ton jeune âge et ton rapport premier avec le jeu vidéo. Moi aussi, j'étais quand même plutôt assez jeune. Je crois que j'avais 7 ans, un truc du genre, quoi. Donc finalement, Bencoz aussi, t'avais 8 ou 9 ans, mais c'est quand même jeune aussi. Et on a, je pense qu'on est rentré aussi très facilement dans ce genre d'univers, aussi de par le fait que on est né dans la machine, évidemment. Ça nous paraît très avant, c'était pas la machine comme maintenant, je le conçois tout à fait, mais rien que le son des machines, le son de la technologie, on y est empreint depuis longtemps, quoi. Et finalement, peut-être que ce son s'est présenté à nous et qu'on l'a tout à fait accepté de par notre conditionnement. Je ne sais pas, mais même la façon dont on disait que ça venait au départ, le son venait de la machine en elle-même, il n'y avait même pas de... Comme vous disiez, comme on disait en début d'émission, quoi, le son venait de la machine directement en elle-même. Donc ça s'est imposé comme des sons qu'on connaissait peut-être déjà. Et donc je parlais de cette évolution logique dans la musique et les jeux vidéo. Mais est-ce que finalement la technologie, de par les jeux vidéo, ne nous a pas créé un langage qu'on a adopté, quoi ? Dans un certain sens. Oula, question hautement philosophique. Oui, je suis allé un peu plus dans le méta là, parce que voilà, c'est très emprunt, c'est très actuel finalement comme débat, comme je disais, les évolutions logiques, voilà. Moi, j'ai une contre-réflexion à te proposer justement. Vas-y. Parce que là, tu nous dis, en gros, que le jeu vidéo nous a imposé. Non, c'est imposé. Il nous a pas imposé, parce que justement, on l'a pris assez naturellement. Nous, je veux dire, dans nos générations, quoi. Tu vois. Enfin, vas-y, oui. Parce que moi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup quand même marqué à l'époque. Ça a été ma découverte avec le milieu rock et grunge. J'étais pas spécialement très connecté de par plutôt les milieux sociaux et éducatifs. Et en fait, il y avait un jeu sur Mega Drive qui était sorti à l'époque qui s'appelait Comic Zone. Je sais pas si ça te parle, Fantôme. Incroyable jeu. Moi, ça me parle. Incroyable aussi. Jeu. Et je sais pas si t'as eu la chance d'avoir le CD qui allait avec. Non. Ah, putain. Donc, il y avait une version qui sortait avec un CD. Et je t'invite d'ailleurs à faire cette recherche. Tu tapes Comic Zone. Ils l'ont mis en OGG, en super qualité. Et en fait, il y avait un CD qui était... ça ressemble en fait à du... comment on appelle ça ? À du Nirvana. D'accord, ils ont adapté les musiques du jeu en version grunge. C'est ça, totalement. Et en fait, c'est ce que je faisais. Je mettais le CD. Donc, vraiment orchestral, tu vois. Enfin, orchestral. Ambiance rock, groupe de rock, quoi. En fait, mode grunge. Et je coupais les musiques du jeu. Je jouais à mon jeu avec ces musiques-là. Et on était déjà, en fait... dans une ambiance, parce que dans l'audiovisuel, ce qui est important, une des règles qu'on apprend assez rapidement, c'est que l'investissement, le fait de s'imprégner dans l'univers passe avant tout par l'audio. C'est la première règle au cinéma, le son précède l'image. Voilà. Donc, et au final, en fait, donc ces personnes avaient trouvé le moyen, en fait, de dépasser les limites de la machine en proposant aussi quelque chose qui était lié à une complexité artistique. Oui. C'était pas... En fait, voilà, tu veux dire que c'était global, c'est-à-dire, pour revenir à la question générale, c'est même pas tant la console de jeu, c'est l'époque. Enfin, c'est-à-dire la console de jeu, elle restituait les années 90, et les années 90, si tu prends Comic Zone, tu prends même Kitty Amélon, c'est des jeunes en jean, basket, qui font du skateboard avec des planches carrées, qui lisent des BD, qui font le mur. Il y avait même le jeu, comment il s'appelle, Global Gladiator. Gladiator, oui. C'était un jeu McDonald's. Pro McDonald's. Voilà. Le but du jeu, t'arrives à la fin du scrolling horizontal, t'as un Ronald avec un drapeau d'arrivée, tu vois le truc de ouf. Et tu dois choper des M et manger des Big Mac pour récupérer ta barre de vie. Mais ce jeu, j'étais fan. Je suis pas fan de la mauvaise bouffe parce que je mange bien, mais les mecs, ils avaient capté. Ils ont fait un jeu, ils ont mis un petit blacos, un petit blanc, ils sont frères ou tu sais pas trop quoi. Ils commencent, ils sont dans un McDo, ils tombent à l'intérieur de la BD. C'est la même chose que Comic Zone. Ils sont en train de lire une BD, mais nous on lisait des BD, ça existait à l'époque. En fait, le jeu vidéo, il a chopé la quintessence des années 90. Mais tu pourrais poser la même question par rapport aux productions AB1, enfin je parle voilà des productions de télévision françaises, oui. qui faisaient des caricatures de personnages dont les gosses se rêvaient d'être. Moi quand je jouais au Pog, quand j'étais gamin, sur les Pog, il y avait que des photos de trucs pareils comme ça. C'était si ça avait pu être un jeu vidéo Pog, ça se trouve ça existait. Ça se trouve il y a eu un jeu Sega Pog, c'est possible. Oui, c'est connecté à l'époque quoi en quelque sorte. Voilà, voilà. Si on avait eu du Hans Zimmer qui sortait de nos consoles 8-bit, on se serait demandé ce qui se passe quoi, presque. Enfin vous voyez, j'inverse un peu. Tu vois, imagine, regarde, imagine un truc. Imagine parce qu'en fait ce que tu veux un peu dire, c'est comme si les mecs avaient eu une mission particulière d'imprégner une idée dans notre crâne. Non, je vois pas ça comme ça. En fait, je vois le truc un peu comme... c'est comme je disais, en fait, l'évolution logique... J'ai pas très bien en fait développé mon idée. Je m'en aperçois aussi. C'est un peu compliqué, mais voilà, en fait, c'était un peu pour maintenir l'évolution logique aussi dans l'évolution de la technologie et dans... enfin tout ça quoi, et ce qui s'est présenté à nous dans notre génération, mais j'aurais peut-être pas dû utiliser le mot imposé. En fait, regarde, voilà. Non, le truc c'est que si tu veux c'est toujours une question de technique. Oui. Quand t'as peu de moyens, tu essayes de tout donner, tu vois. C'est comme si on te dit t'as un flingue avec une seule balle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te concentrer et viser, tu vois. Quand on te file une mitrailleuse avec 2000 balles, tu as la même cible à abattre, tu t'en fous d'être propre. Et ben, à l'époque, les concepteurs de jeux vidéo, c'était pareil. Ils étaient obligés, avec peu de moyens, de mettre un maximum d'effets qui soient sonores, visuels. Les mecs, on leur disait synthétiser l'impression du moment, de la génération dans laquelle vous êtes, et retranscrivez-la avec ce que vous avez, quoi. Mais imagine un truc. Imagine, on change la façon dont le monde s'est déroulé. Le jeu vidéo, finalement, il est créé qu'à partir de... Je sais pas. Ou il est créé avant, tu vois. Il est créé les années post, 20. Ouais, mais non, mais même pas. Non, on va éviter. Mais on va dire que les Sega, c'est genre 1945, tu vois, l'après-guerre. Ouais. Et ben, ils auraient synthétisé un environnement de cette époque-là où les jeunes, tu vois, c'était pas encore Flower Power et tout. Donc ouais. Ils auraient fait des jeux éducatifs. Ils auraient synthétisé une époque particulière où tous les gamins, ils avaient une bonne coupe de cheveux et compagnie, tu vois. Ouais, ouais, et ouais. À l'époque de la PlayStation, ça aurait été 1968 et tout. Voilà, ils auraient fait des jeux en 3D où on jette des pavés et tout, le bordel, tu vois. C'est juste que la limitation technique, elle a été... Et puis, alors c'est deux choses. C'est et la limitation technique et le début d'une possibilité de montrer quelque chose. Ça s'est déroulé entre 85 et 95. Ce côté, on est enfermé, mais on peut dire quelque chose. Et donc, c'est cette sensation dont tu parles, le côté, tu ressens qu'il y a une synthèse, il y a quelque chose, tu vois, il y a tout. Il y a un bloc, c'est un bloc en fait, monolithique, cette époque dans le jeu vidéo. Super NES ou Sega, où je parle des consoles de salon, les mecs, ils incarnaient un tout d'une station, d'une époque. C'est pour ça que les mecs qui font de la synthwave, qui veulent revenir dans les années 80, ils utilisent l'imagerie du jeu vidéo de cette époque. C'est la synthèse même. Je faisais écho à une conversation que tu avais eue, je ne sais plus dans quelle émission, de toute cette démarche qu'on avait pour chercher de la musique avant et qui finalement te mettait dans une sorte d'aventure et qui était unique. Et maintenant, la façon dont on cherche sur Internet de la musique, on cherche exactement la même chose, mais on ne le cherche pas de la même façon. Et finalement... Ça dépersonnalise le truc. Il y a plein de gens finalement que j'avais un peu utilisé ça entre guillemets, qu'il y a plein de gens qui ne s'y intéressent pas parce que finalement ils s'intéressent à ils s'intéressent soit à leur passion première, leur temps là-dedans ou voilà. Oui, parce que l'environnement dématérialisé détruit la possibilité de projeter le désir de découvrir quelque chose. Ah oui, ce dont tu parlais tantôt, Bencoz, exactement. Oui, voilà, on rejoint Bencoz. Moi, je crois pas, en fait, que il y ait une part conséquente de jeunes qui sont dans le rétro gaming. Je pense que le rétro gaming, il existe parce qu'en fait, c'est nous. C'est les gens de 30 à 40 ans. La grosse part de marché. Ouais, les mecs qui ont 40, je connais personne qui a entre 40 et 50 ans qui me parle du rétro gaming, de l'Atari, du rétro gaming, des consoles de deuxième génération. Non, mais je te parle de... Oui, c'est pas dans le gros. Non, c'est pas dans le gros, mais ces gens-là représentent le gros de la tête pensante, de la tête active. Oh. Ce sont ces gens-là qui ont des associations, qui promeuvent... Ouais, non, mais moi je te parle des consommateurs. Je te parle de consommateurs. Ah, oui. Les consommateurs, c'est les générations 16 bits. C'est-à-dire que moi, je connais personne qui est en mode retro gaming qui cherche à acheter des jeux 8 bits. Je connais pas, ça existe pas. Enfin, en tout cas, si on ramène... joue à Double Dragon. Non, les jeux rétro, la majorité des jeux rétro, genre, tu sais, les jeux rétro créés aujourd'hui, qui sont même pas des... Ils se jouent comme des jeux de 16 bits. Ils se jouent pas comme des jeux 8 bits. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est ça. Je pense que voilà, le rétro gaming, c'est 16 bits. Au-dessus, on considère que c'est pas du rétro gaming à l'heure actuelle. En dessous, parce qu'avec la 3D, ça la change peut-être de catégorie. Donc pour moi, le rétro gaming, c'est de la 2D, ça reste de la 2D globale, hein, je fais vraiment global, de la 2D, du scrolling horizontal ou vertical. Le minimum technique, c'est 3-4 boutons. Tu prends un Super Meat Boy, même si tu n'as que le bouton saut, tu as le bouton d'accélération de vitesse, tout ça, c'est du Super Mario. C'est-à-dire que ça n'existait pas sur du 8 bits, il y a aucun jeu du 8 bits. Mais c'est déjà... Ah, toi, tu penses que ça fait pas partie du rétro gaming, en fait, ça, réellement... Enfin, tu parles... Si. Ah oui. Si, en fait, là, je suis en train de... Tu parles d'époque, en fait, tu segmentes un peu les époques... Ouais, moi, je fais le segment de marché. Je suis au bureau, tu sais, je suis en train de dire qui consomme, tu vois. Ben, pour moi, les gens qui consomment, c'est 30, 40 ans. Allez, 25, 45. Ouais. Vraiment, je suis gentil. Et c'est format 16 bits. Parce que c'est le format qui reste le plus old school, mais qui reste le plus jouable. C'est le format qui permet de créer, encore au sein de ses limitations techniques, des nouveaux jeux. Tu vois, créer avec du 8 bits, tu vas forcément emmerder les gens. Il y a trop de lenteur, il n'y a pas assez de... Voilà, le 16 bits pour moi c'est la quintessence. C'est la quintessence du old school. C'est particulier, tu sais, regarde, je vais te citer juste un nom qui a fait un grand succès, qui fait toujours le succès des consoles 8 bits, c'est le Pokémon. Ah ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de jeunes, des fois que je vois de 18, 20 ans, qui se mettent au rétro gaming uniquement pour aller jouer sur Pokémon. Oh, je suis d'accord, je suis d'accord. Ok, non, je te le concède. Hein. En fait, mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup hein, dans ce format-là. Voilà, la Sega Master System, je ne vois pas de gens jouer dessus uniquement pour Alex Kidd. Bien sûr, parce qu'Alex Kidd, c'est le plus fluide. C'est le plus fluide de tous les jeux Master. Voilà, et en fait, il y a une parenthèse qui serait sympa à faire, parce que moi, ce que j'avais en tête, c'était que là, on s'est arrêté sur le jeu vidéo au format micro-ordinateur, même si c'était des consoles. Et alors que, pour ma part, je situe le monde du jeu vidéo au niveau des flippers. C'est-à-dire, on était dans l'époque bar, on avait les flippers. Ouais. Ça existe, hein, même encore à l'heure actuelle. Ouais. Mais là, on était encore, on n'était pas dans l'époque des ordinateurs, mais dans l'électronique. Et ouais. Voilà, par exemple, on avait des cloches qui sonnaient, des choses comme ça. C'était même mécanique, électromécanique encore. Ouais. Analogique. Ouais. La partie électronique était analogique. Ouais. Ouais, donc c'est encore un autre univers. Et au niveau des musiques, c'était peut-être juste. Alors attends, moi j'ai l'info, ouais. Au niveau des flippers et enfin de tout ce qui est du domaine de la borne d'arcade, c'était de la cassette. C'est-à-dire que c'était pas le processeur, c'était vraiment un mini disque qui tournait quoi, une mini cassette ou et souvent en fait quand tu rachètes une vieille borne d'arcade ou un vieux flipper, ça c'est des pièces qui mouraient. Tu vois. Parce que les PCD. C'est comme ton CD quoi. Voilà, c'est comme si tu joues 1000 fois le même CD sur ton lecteur CD. Au bout d'un moment, il ramasse. Et encore un CD, ça tient, mais quand on parle de bobines, voilà, tu sais, les bobines, les grosses bobines larges de films, bah, ça tournait là-dessus. C'était un élément autonome des flippers ou des bornes d'arcade. Ça faisait pas long feu. Voilà. Ça faisait pas long. C'était conçu pour résister quand même à des dizaines de milliers de parties. Mais voilà, ça, c'était un format à part, effectivement. Ouais. Ça se représente aujourd'hui sous forme de BIOS, ça pèse 1 mégaoctet, la cassette qui faisait 10 kilos. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est incroyable quand même. Mais c'est vrai pourquoi je parle de ça, parce que pour moi, je pense qu'il y a eu une évolution, on a eu droit à ça. Ensuite, je pense qu'on a eu droit à ce qu'on appelle les jeux électroniques. Par exemple, ça c'est avant même la Game Boy, on avait droit vraiment à, sur des écrans... C'était quel LCD? Non, pas LCD. Voilà, je vais retrouver les noms. Tu sais, avec un genre d'encre dedans. Oh, punaise. Oui, mais oui, je connais pas. Je vais aller chercher ma Bible, hein, si c'est comme ça. Oh là là. Ça coûte la peau du cul maintenant. Ces consoles avec cartouche intégrée, là, ça coûte super cher, ça coûte genre 500 € ou 200 €. Ouais, voilà, ça avait vraiment commencé. Nintendo, à l'époque, c'était les Game & Watch. Voilà, Game & Watch. Voilà, avec d'ailleurs Game & Watch, et il me semble que c'est sur cette console-là qu'il y a eu Donkey Kong. Exact. C'est un jeu Game & Watch à l'origine. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai que ça a été une génération... Moi, pour ma part, gamin, c'est-à-dire entre 6-7 ans, on m'a mis ce genre de choses entre les mains. Et c'est vrai que j'ai passé des centaines d'heures à éclater ce genre de machine. À coup de bip, 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 bip. Et tous ces bips, je pense que ça a eu une influence sur notre cerveau aussi. C'est clair. Ça doit jouer, ouais. Je me rectifie tout seul. C'était un jeu Mario Bros où le boss était donc Donkey Kong qui jetait un tonneau. Et à la suite de ça, ils ont décidé de faire la série des Donkey Kong. Ah oui. Tard. Je me souviens exactement en plus de ce. Parce Mario que les jeux Game & Watch étaient très limités techniquement. Généralement, c'était un. Il n'y avait pas de scrolling déjà, c'était très rare un jeu avec un scrolling, c'était un plateau, généralement tu avais une dizaine d'éléments max qui se déplaçaient chacun d'un coup, d'un spot à un autre, simplement parce qu'ils étaient animés ou pas animés, et tu avais l'action de ton personnage qui permettait soit de te déplacer une fois à droite ou à gauche, et une fois en haut ou une fois en bas, grand maximum. Et c'était le maximum de... C'était souvent des jeux d'esquive, voilà. Parce que tu n'avais aucune action où tu pouvais rentrer... Tu n'avais aucun moyen de pression particulière, tu n'avais pas de touche d'action. Et là, concrètement, regarde, je ne sais pas si vous allez être en accord avec ce que je pense. Dans le cas du rétro gaming, moi, pour ma part, ça ne me dérange pas de jouer à à ces jeux que j'ai connus sur un écran, de les jouer sur mon ordinateur, de les rejouer sur des PC, sur de grands écrans. Mais dans le cas, par exemple, de ces jeux électroniques, quand je joue à ça sur un écran, je ne retrouve pas les mêmes sensations. Je n'arrive pas à me projeter. Et là, par contre, on est totalement dans le domaine de l'objet. Par contre, si on a l'objet, on va pouvoir passer un certain temps, on retrouve les mêmes sensations. Ouais, t'as quand même différents éléments. T'as les fréquences, ça joue. T'as les fréquences de ta télé qui s'adaptent en fonction de la console. Ouais. T'as la manette. Si t'as pas exactement la même manette, parce qu'après maintenant ils nous font tous des manettes USB. Hein. Exact. Mais je pense quand même que tu peux te remettre en condition. Mais, oui. Mais c'est pas aussi évident que d'acheter un CD d'Xbox ou de Play sur lequel t'as 200 jeux et tu joues avec ta manette de Xbox alors que c'est Sonic 2. Enfin, bah, y a des trucs, ça me dérange pas, mais c'est vrai que je te rejoins, Bencoz, sur ce genre de truc un peu plus spécifique. Je suis un peu même genre que toi. Ça sera plus difficile pour moi. Il y a un truc quand même. Je vais rajouter ça. Il y a le son de la console lui-même qui est inimitable. Voilà. Donc, quand tu entends ta PlayStation tourner ou... Ah voilà, oui, c'est important que tu ramènes ça. Les yeux fermés, je sais reconnaître une PlayStation. Évidemment. Mais du coup, il y a une chose, comme on a parlé de l'immersion au travers de l'audiovisuel, je pense que justement l'arrivée de ces premiers micro-ordinateurs qui étaient des consoles de jeu, c'est ce qui nous a permis d'avoir de l'image, une histoire dans laquelle se projeter, et en plus un support avec de la musique. Donc, pour moi, ça a été le début de la révolution et de l'immersion totale. C'était au-delà, en fait, de... je vois beaucoup dans la manière de se divertir que les gens avaient. Voilà, par exemple, le flipper, c'était plus des sessions et on n'avait pas besoin de s'investir à l'intérieur. Et il y a aussi, par rapport à la société de consommation qui a augmenté, on a une multiplication des sources de divertissement. Et le fait d'avoir réellement un univers, un concept... comme on le retrouve dans la littérature ou le cinéma, ça s'est rapidement imposé pour faire la différence face à la concurrence, en fait. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'à l'origine, en fait, les jeux de console, c'était des adaptations de jeux sur borne d'arcade. Principalement, les mecs, en fait, comment dire, ils n'ont pas inventé de RPG sur borne d'arcade, hormis, attention, qui n'est pas vraiment un RPG, mais c'est une sorte de point and click avec un chevalier. Bon, c'est Dragon's Lair. Voilà. Ouais. Le seul jeu d'arcade dont vous êtes le héros. Voilà. Ouais. Je pense que c'était le jeu le plus dur et qui devait coûter le plus de pièces sur borne d'arcade. Mais de toute façon, les bornes d'arcade étaient conçues pour vous faire dépenser de l'argent. Voilà. Donc à l'époque, imaginez les mecs, imaginez 2018, borne d'arcade et société de consommation. Il faudrait changer la difficulté là. Qui met 1 €, Assassin's Creed borne d'arcade, il appuie sur A, il a fini le jeu. High score et tout, c'est le meilleur. Mais forcément, ouais, le fait de la conception du jeu en extérieur entre potes. Donc c'était évite d'être un autiste. C'est que globalement tu joues, tu vas mourir dans 2 minutes, ça va être à ton pote de jouer. Mais un jeu de rôle sur une borne d'arcade, en fait, le gars il vient avec une chaise, il paye un café, il demande un verre d'eau, il reste pendant 6 heures, après il attend que la borne d'arcade elle fasse le changement de CD pour jouer au CD2. Bon, ça n'a strictement aucun sens. C'est le concept même de console de salon. T'es dans le salon, en fait tu fais quoi généralement? Tu lis un bouquin, t'es allongé, tu regardes la télé. Bon bah alors les mecs ils se sont dit on peut changer les formats, et donc ils ont créé les formats RPG. Ouais. Le format RPG c'est ouvert à eux par la structure même de... À quoi sert un salon dans une baraque? Voilà. C'est une très bonne analyse, et d'autant plus que maintenant on doit même... Enfin, j'enchaîne, on doit même payer pour avoir la fin de certains jeux, etc. maintenant, quoi. C'est incroyable. Donc, et tu peux même payer pour passer les niveaux. Donc t'imagines, si t'es même pas capable de finir ce jeu-là en facile, eh ben, tu peux encore payer pour accéder au niveau, quoi. Enfin, sur certains jeux, c'est quand même incroyable. Oui, bon. Je tiens à dire que nous, à l'époque, quand on n'y arrivait pas, on avait Maître Sega, nous. Hein. Oui, donc, on avait le Minitel, Moi, je crois qu'il existait vraiment, monsieur Sega. J'étais persuadé. Il y avait des pubs à la télé pour ça. Moi, mon père, il me faisait croire, parce que moi, j'étais bloqué dans un jeu. Il me dit, on va appeler Maître Sega et tout. Il allait sur le Minitel. Il tapait le nom du jeu. Et il y avait un mec en face, quoi, qui avait, en fait, il avait une Bible, un gars dans une bibliothèque, le pauvre, hein, ça devait vraiment pas être un tas très drôle, qui devait être enfermé dans une pièce avec les guides de Solus de tous les jeux, de la collection Sega. Et en gros, bah, il y a un connard qui est prié sur son vieux Minitel et qui dit, salut, je suis à tel endroit du jeu. T'imagines, parce que c'est pas genre, donne-moi le code, je me rappelle, parce que moi, j'étais bloqué, genre, à Shining Force, quoi. Et je devais dire, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini la mission temps et tout, le mec, il doit lire toute la Bible, après, il te répond. Et tu peux continuer. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois, quoi. Les gars, les magazines de jeux vidéo, faut quand même, on peut en parler aussi un peu, quoi. C'est quand même incroyable, hein. Même, il y avait des cheat codes, etc. Il y avait des astuces, fallait dépenser un petit peu chez le libraire, tu vois. Enfin, c'était quand même... Il y a un très bon parallèle à faire avec la musique et l'univers du cinéma. C'est-à-dire que moi, j'étais abonné à PlayStation Magazine. Dans les PlayStation Magazine, tu possédais un CD de démo. Oui. À chaque fois, que j'ai toujours, je les ai tous collectionnés. Et tu avais souvent... Alors ça, c'est... Je crois que là, ce que je vais dire, c'est assez sympa. Un CD de démo contenait... donc tu avais des démos jouables, des démos non jouables. Les démos jouables, généralement, les mecs, ils te mettaient 1/100 du jeu. Ou des fois, si c'était un jeu avec des niveaux, ils te mettaient un niveau du jeu. Genre Crash Bandicoot, tu avais le droit de faire un niveau, des fois deux. Bref. Et les jeux étaient encore en programmation, généralement. Donc le jeu était mal foutu, pas fini. Des fois, il était bien fini. Ils avaient juste décidé de te le mettre au bon moment pour en faire la promo. Bref. Et parmi les non-jouables, bah, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'un jeu non-jouable ? C'est une cinématique. Oui, je me souviens très bien des démos non-jouables. Je possède un CD de démo qui contient donc la version non-jouable, c'est évident, de Final Fantasy VII, parce qu'une version jouable d'un RPG sur un CD de démo, c'est ridicule, hein. Oui, oui. Et je tiens à dire un truc, c'est incroyable. J'ai retrouvé ça il y a peu. Je me rappelais, je me disais, mais putain, mais cette cinématique... Elle était incroyable parce que c'était cinématique, c'était un film, c'était un trailer de film. Vous voyez, je me rappelle. Et tu la mettras en lien parce que c'est vraiment très très marquant. Pas de problème. Parce que c'est l'époque où finalement la musique a commencé à switcher de la musique de jeux vidéo à la musique de film. Et figurez-vous, la musique qui figure donc sur cette démo non jouable de Final Fantasy VII est composée par un compositeur de musique de film. Et ce n'est pas la musique de Final Fantasy. Ah. C'est une musique libre de droit. De musique de film, et je crois que c'est la première fois de toute l'histoire du jeu vidéo qu'une musique de film est utilisée pour mettre en avant un jeu vidéo. Et je l'ai même tellement, c'est une musique qui m'a choqué parce que c'était ma première approche avec la sonorité classique audiovisuelle avec mon univers qui était le seul. Moi, je ne regardais pas de film à l'époque, je ne regardais pas la télé. Moi, j'ai fait que jouer aux jeux vidéo jusqu'à, on va dire 12 ans, et après j'ai commencé à faire autre chose. Mais voilà, c'est un morceau qui s'appelle Final Encounter de Steve Baker. Voilà, j'ai retrouvé ça de tête. Incroyable. Bref, voilà, c'est incroyable. Ouais. Non, c'est assez, c'est pas mal que tu abordes cette petite anecdote. C'est tout en rapport avec l'émission finalement et avec ce qu'on disait avant, quoi. Donc, on peut vraiment voir cette fameuse transition, quoi. Et d'ailleurs, je suis allé, donc comme j'ai retrouvé la musique, j'ai trouvé une vidéo qui met... j'ai trouvé la vidéo du trailer de cette démo non jouable de Final Fantasy VII. Les commentaires à ce sujet sont assez sympas à lire. Les gens disent tous... mais quand j'ai vu ça, j'avais l'impression que c'était un film. La musique et voilà. Et là, il y avait vraiment ce côté... C'était choquant, on aurait dit un film. Parce que Final Fantasy VII était l'un des premiers jeux à l'époque, qui avait vraiment des cinématiques incroyables. Techniquement, il y avait voilà ce côté filmique était là, quoi. Voilà. Mm. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là, je crois que je l'avais déjà expliqué dans l'émission précédente, c'était la raison pour laquelle Squaresoft, le producteur de la série des Final Fantasy, avait choisi Sony et non pas Nintendo. Parce que Nintendo, ils ont fait une erreur technique en restant sur la cartouche, le format cartouche, qui permettait pas de stocker la musique de façon plus conséquente. Mm. Et donc Squaresoft a dit, écoutez, nous on fait des jeux, ils sont de plus en plus longs. Final Fantasy VI, c'est un jeu, il se termine en 45 heures. Hein. Alors, sur un format cartouche de Super NES, franchement, je suis sûr qu'il ne doit pas rester beaucoup de place, hein, si on regarde à l'origine. Mais quand les mecs se sont dit, nous on veut rajouter 50 minutes de vidéo, tu m'excuseras, mais la 64, elle ne fera pas le poids. Voilà. Donc, ouais, même, on voit même l'histoire de la musique dans le jeu vidéo a été orienté par donc la technicité même des consoles, ouais, jusqu'aux 128 bits où à partir de là en fait les consoles de jeu sont devenues des ordinateurs. Voilà. Ce qui est très logique finalement. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on parlait un peu tantôt de DLC, etc. actuel. Ça me fait penser vite fait à une petite anecdote. L'autre fois, on jouait à Fighter Z, donc sur PS4, qui est un très bon jeu de combat. Hein. Franchement, je le recommande. Au final, ça peut faire une pub à une grande marque. Ils n'ont pas besoin de ça, mais moi, je trouve que par rapport à ce qui a été fait ces dernières années en Dragon Ball, c'est cool. Ça revient un peu à du style. Ils ont vraiment fait un bon mélange entre Street Fighter, Tekken et Naruto. Je trouve c'est incroyable, voilà. Et donc tu t'avais une option pour acheter les musiques un peu emblématiques en opening ou en OST du manga, bah tu devais les acheter, quoi, tu vois. Ou alors mon pote les a quand même achetés, ça coûtait 5-6 €, je sais plus, parce qu'on avait envie de se battre sur Etchada, etc., tu vois. Mais c'est quand même incroyable, quoi. Donc il te prévoit des musiques du jeu et tu dois... Et t'as un espèce de DLC pour choper des musiques emblématiques. Donc on voit vraiment que même le rapport à la musique change carrément au point de vue commercial, etc. J'arrive pas à acheter quelque chose qui n'existe pas physiquement. Voilà. La seule chose que j'ai acheté en dématérialisé de ma vie, c'est Final Fantasy 7, 8 et 9 pour ne pas user mes CD en y jouant, c'est tout. Oui. Ah bah ouais. Bah voilà. Mais le dématérialisé, ce sera temporaire. Je pense que il est dans l'âme des hommes de posséder en dur ce qui leur tient à cœur, tout simplement dans un esprit de filiation. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, mon daron, il avait stock de vinyle, stock de VHS, stock de BD, stock de machin. Il y avait la pièce, l'endroit où ça se trouvait, il y avait l'odeur du vinyle, il y avait même l'odeur du plastique de la VHS, ça avait une odeur. La forme, la taille, ça oriente ton regard. Par exemple, les gens quand ils participent à mon émission Entretien Fantôme, certaines fois ils sélectionnent un CD pour la forme, littéralement. Donc, oui. Ça veut bien dire que ça a un impact concret qui met en place un mécanisme de recherche et de curiosité. Alors, un futur dans lequel l'homme se trouve à poil avec une puce dans le cul qui contient des centaines de téras de souvenirs. On en parlait l'autre fois en plus. Oui. Ouais, mais moi j'y crois. Voilà, j'y vois pas beau. Je pense pas. Je pense que tout n'est que cycle et on reviendra à la collection, tout comme le vinyle est revenu, hein, d'ailleurs. L'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse sur le vinyle. Ce que tu dis là, Lemmy Kilmeister de Motorhead en parlait déjà avec la transition vinyle-CD, tu vois. Donc il parlait déjà, il disait le CD c'est trop petit. Avec les vinyles, on pouvait avoir des putains d'œuvres d'art sur nos vinyles et tout ça. Là, c'est trop petit, on ne voit rien, c'est pas bien. Tu vois, il était déjà dans le c'est pas bien, tu vois, par rapport à ça. Donc c'est fou comme l'époque évolue, tu vois. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, quand des artistes veulent mettre le paquet sur une version CD, le boîtier, c'est pas un boîtier plastique cristal, hein, et c'est pas un boîtier carton. Hein. Moi, j'ai des albums, j'ai un album de Tool, le machin, c'est un bloc, quoi. Ah bah, un bloc avec des lunettes grossissantes, avec un machin que quand tu l'ouvres à distance, tu peux regarder les papiers depuis les lunettes. Enfin, oui, mais attends, tu dois encore plus mettre le paquet pour vendre ton physique pour que ça en vaille le coup, quoi, finalement. Oui. Après, les mecs, quand t'as un gros groupe, tu fais l'économie sur ta propre paye, tu vois. Ah ouais. T'évites de vendre le CD plus cher, mais non, tu vendras moins, tu vois. Même à l'heure actuelle, ils se sont rendus compte qu'il y avait les steelbooks, c'est-à-dire les jaquettes CD en acier, qui sont toujours... Elles ont tendance à... Surtout au niveau des collectionneurs, ils ont tendance à privilégier ce genre de produit. Parce que c'est de l'acier, ça se périme pas, et c'est... Il y a une notion de durabilité et de qualité aussi. Même si ça reste que un vulgaire CD avec des données gravées dessus, quoi, en fait. Et je me demande vraiment à ceux qui possèdent rien en physique, qu'est-ce qu'ils transmettront à leurs gosses plus tard. Vraiment, sincèrement, je trouve que c'est l'univers dématérialisé, c'est un peu propre à une forme de narcissisme et de repli sur soi, quoi, vraiment. Ouais. Penser l'avenir. Après, moi, je te dis, c'est vrai que... Ouais, vas-y, Bencoz, vas-y. On est même dans une société inversée à l'heure actuelle, parce que, par exemple, la plupart des gamers, on est sur Steam. Voilà, on leur fait un petit coup de pub, pensez à nous sponsoriser. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Par rapport à ça, Le mec qui a vraiment été payé par Steam en fait. Ah ouais. Bon, vas-y gros, l'émission elle va bientôt finir, il faut que tu places un Steam vite. Il lui envoie des messages là depuis tantôt, oh t'y vas là. Ouais. Monji, n'oublie pas, on t'a envoyé des coupons gros. Ouais, c'est bon, Squaresoft, là, Squaresoft ils m'ont payé Final Fantasy VII le prochain, nickel, je suis au calme. Tu vois. Moi j'ai oublié ce que je voulais dire avec ces conneries. Tu parlais d'une génération, une époque. Ça, moi j'ai dit le dématérialisé, ça a changé la nature des gens et compagnie. Ah oui, oui. Techniquement, des fois, je suis intéressé par certains jeux sur Steam, notamment aux jeux indé. Ah, je rajoute encore la couche. Mais comme je suis aussi intéressé par tout ce qui est matériel, des fois, je vais faire un petit peu mes courses sur eBay et ben, ça m'arrive très souvent. Je prends l'exemple, par exemple, un des derniers jeux que j'ai pris, c'est un jeu assez mythique, Street Fighter V. Il était, il me semble, à 15 ou 20 euros en promo. Et bah, je l'ai chopé à 2 euros sur Xbox en boîtier. Ah, mais ça, c'est raisonnable. Oui, non, mais bien sûr, il faut savoir raison garder. Voilà, je suis pas le genre de mec qui dit il faut mettre 100 boules dans ta version, quel que soit le jeu que tu achètes. Voilà. Il faut savoir donner de la valeur aux choses qui en ont, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de... on est dans un rapport aujourd'hui où le dématérialisé est plus cher que l'objet matériel. Ah ouais. Et pas dans le neuf, c'est dans le domaine en fait de la société de consommation. Parce que les gens ont toujours cette optique de ne pas conserver. Ouais, c'est-à-dire ils changent de génération et du coup, à l'époque, à l'heure actuelle... C'est l'univers de la seconde main, tu parles comme... Voilà. Nous, on avait les puciers. Mais ça existe encore, les puciers. Mais maintenant, le pucier, c'est eBay, c'est Price Minister. Voilà. Donc, c'est le côté seconde main. Et moi, j'aime bien aussi passer du temps, je ne sais pas si tu le fais, à mémoriser des éléments pour voir quand est-ce que le prix baissera, pour voir si une belle version va arriver. Ça c'est un plaisir aussi. Ouais, je crois que Bencoz est client de ce genre de... De se dire, j'ai fait une affaire. Par exemple, moi, j'ai un énorme regret, tu vois. Mon énorme regret s'appelle Valkyrie Profile sur PS1. Ah. Je l'avais engravé et j'utilisais l'Action Replay sur laquelle je codais aussi à l'époque. Hein, voilà, parce que, quand on était joueur à l'époque, il fallait aussi savoir coder si on voulait faire autre chose que simplement se tourner les pouces et profiter de tous les avantages que t'offrait la console. Exactement. Et Valkyrie Profile coûtait très cher à sa sortie, bah, comme tous les jeux coûtaient 60 euros. Et puis il a baissé, mais je l'ai mémorisé, il devait être à 30 euros, peut-être à les 40 euros. Et puis un jour, je me dis, bon, tiens, allez, je vais l'acheter, c'était foutu, maintenant il a 100 balles. D'occasion, il a 120 balles. Un de mes regrets, voilà, je vais pas mettre 150 euros pour un jeu, quoi. Oui. Et surtout que tu ne risques de pas y jouer pour abîmer le CD, te connaissant. Ah, mais c'est pour le garder. Il y a des jeux que j'ai achetés, voilà. 9 sous blister. C'est des potes qui l'ont fait sous mes yeux. Ah là là. Après l'achat, c'est des fois il y a l'achat compulsif. Mais il y a tellement de choses à acheter. Tellement... Après, mais c'est vrai que je suis, pour ma part, je suis beaucoup dans le. C'est un peu comme le matériel MIDI aussi. J'aime beaucoup redonner de la valeur à des objets qui ont été dévalorisés, tout simplement. Tu trouves des fois des vieilles consoles. Pleine de boue dans un vieux garage, tu leur redonnes une vie et même si on n'est pas dans l'accumulation, ça peut être un beau cadeau pour une personne qui est passionnée, ce genre de choses. Et c'est aussi une manière de retransmettre une histoire. Quelque part, si ça nous a vraiment touché à ce point, on n'a pas le droit de laisser crever ce genre d'objet sous nos yeux, en fait. C'est vrai, bien sûr. Eh ouais. On peut faire beaucoup de liens, hein. Il y a peut-être un peu ça dans la musique aussi, à certains moments, tu vois. Enfin, après, c'est vrai que moi, je suis pratiquant d'instruments, donc ce rapport à l'instrument, finalement, est très particulier, quoi, des fois. Même si je suis complètement je l'ai déjà dit, je suis pour à mort la musique électronique, et j'aime bien ça sous plein d'aspects, hein. Pas sous tous les aspects, mais... ce rapport à l'instrument, des fois, est important, quoi, de retourner vers ça. Le rapport aux jeux vidéo et sa musique, moi je le fixe sur le plan de la sonorité. Voilà. Pas sur le plan de l'instrument. Ah oui, non, là je m'écartais du truc, hein, mais oui. Oui, je pense pas synthé, je pense onde, tu vois. Je pense synthèse sonore. C'est plus comme ça. Même si, effectivement, la façon dont j'ai pu composer, la plupart de mes musiques est très orientée dans l'optique technique et de composition pure, de boucles et de petits airs qu'on peut fredonner, ce qu'on m'a souvent rappelé. Hein. Mmh. Même si j'ai composé des chansons des fois qui durent 10 minutes ou 15 minutes même et qui sont structurées selon un processus de création dans le type rock progressif, parce que j'ai d'autres références bien sûr. Là, techniquement, je me limite de mes 3 ans à mes 16 ans, je dirais, 15 ans. J'écoutais pas de musique, hein. Je n'écoutais que de la musique de jeux vidéo. Je me suis mis à écouter autre chose à partir de 14 ans. Mais donc, ouais. On va dire j'ai 10 ans de musique de jeux vidéo dans les pattes. Et rétrospectivement, en y réfléchissant, en passant par le biais de la pratique d'un instrument, pour le coup, moi, c'est le synthé. Moi, c'est un son. Si tu me dis musique de jeu vidéo, moi, je vais te dire c'est un son. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Tu vois. Oui. Ma perception de ce que c'est un son. Voilà. Oui, tout à fait. Après, moi, je te dis, quand je parle de ça, c'est parce que ça me faisait raisonner un peu ce que Bencoz disait, parce que moi, j'ai un peu ça par rapport... Enfin, des fois, j'ai un peu ça par rapport à la musique, tu vois, donc dans la composition, où je compose sur programme, tu vois, enfin, je compose pas que comme ça, mais tu vois, des fois, je compose sur programme, et puis... je rentre dans l'immensité du programme qui est une infinité pour moi puisque j'aurai jamais assez d'une vie pour l'explorer complètement et donc du coup des fois j'ai besoin d'un peu sortir de ça tu vois et je sais pas tu vois je vais aller je caricature le truc tu vois mais je vais aller à côté d'une rivière avec ma guitare tu vois pour avoir l'impression de revenir un peu tu vois dans enfin j'ai l'impression que c'est presque un peu revenir à l'humilité de me dire bah là j'ai plus que mes deux bras avec un type de son à explorer et du coup ben ça me ramène à quelque chose de plus finalement de plus simple et qui est pourtant la pratique d'un instrument c'est pas forcément simple hein, tu vois mais je veux dire ça m'enlève ce côté d'immensité et ça me ramène à quelque chose de plus peut-être terre à terre j'en sais rien je sais pas comment l'expliquer c'est ton côté rétro tu vois t'es limité par ton instrument et c'est ce qui donne aussi ton style c'est-à-dire que quand t'es face à un logiciel et généralement si t'es qu'avec du son MIDI en fait tu n'es musicien je veux dire péjorativement que par la composition. Si tu es avec ton instrument, tu es musicien, tu es instrumentiste, tu vois. C'est autre chose, c'est deux approches différentes. Moi, je considère qu'il y a deux, voilà, t'es musicien par deux approches. Soit par le biais de ton instrument et de sa pratique, de sa sonorité, soit tu es compositeur. Voilà. Et quand tu es sur un logiciel où toutes les possibilités te sont offertes, c'est que tu es chef d'orchestre, tu vois, techniquement. Et c'est une autre façon de l'aborder. Par exemple, à l'heure actuelle, moi qui n'ai fait que percevoir la musique par le biais de mes logiciels, donc de l'immensité de mes logiciels que je ne maîtrise pas forcément dans le détail. Bencoz est plus calé que moi vraiment sur le plan technique, ça c'est sûr et certain. Mais à l'heure actuelle, je me suis dit tiens, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de passer par le biais d'une autre vision. Et je passe par la vision d'Elgadjo, on va dire, qui est ok, je n'ai le droit qu'à mon son de piano. Ouais. J'ai un grand clavier, j'ai mon son de piano et je ne compose que par le biais de l'instrument. C'est-à-dire que voilà. Tu vois, je fais piano-voix. Et je suis limité par ça. Je me dis pas, j'ai le droit de faire 6 pistes. Et... sinon, je vais repartir sur la même façon de structurer les choses. Ben, voilà, c'est la définition de par le biais de l'instrument et par le biais d'être compositeur. Voilà. Ouais, ce que le logiciel te permet d'être. Voilà, c'est ma vision. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. C'est pas du tout la même façon. Même si tu composes avec ta guitare, comme je disais tantôt, c'est pas du tout la même façon d'appréhender le truc. Et tu rentres pas du tout dans le même type d'univers, quoi. Donc amen sur ce que tu viens de dire. Voilà. Après j'ai quand même une autre vision de que Fantôme, mais je pense en fait c'est pas une autre vision, c'est plutôt une autre approche parce qu'on a la même vision je pense. Mais le côté composition, ça je suis entièrement d'accord avec lui. Pour ma part mon seul rapport à l'instrument, ça a été dans les percussions, différentes forme de percussion et même au niveau des sonorités j'ai bossé un peu sur des hangs donc ça reste des sonorités aiguës mais ça reste toujours dans un système de percussion donc c'est pour ça que le système granulaire, la synthèse granulaire m'a beaucoup parlé parce que on peut même dans la construction du son c'est quelque chose qui me parle, je trouve qu'il y a une logique là-dedans mais parce que toi tu vois tu t'es astreint à un truc, à un moment tu vois t'as pris une voix sonore sur laquelle te fixer, donc c'est en ça que presque le logiciel est devenu ton instrument tu vois. Après c'est vrai qu'il y a d'autres approches et tu vois autant de toi t'as ton approche actuelle qui est de te limiter à un instrument quelque part, c'est se mettre une contrainte pour être plus performant. Ou c'est un peu comme dans les arts martiaux, c'est-à-dire à un moment, on nous fait nous bander les yeux pour pouvoir faire appel à plus à nos autres sens. Donc c'est une manière de se mettre à l'épreuve un peu pour être plus performant. Et quand on reviendra à la complémentarité totale, on aura une fraîcheur qu'on pourra rapporter dans ce truc. Par contre, vas-y, vas-y. Ah non, non, je vous l'ai dit, je suis d'accord, je suis d'accord. Par contre, moi, mon travail aujourd'hui, comment dire, je pense que c'est là-dessus que tu veux rejoindre le côté technique, c'est que moi, en fait, le côté limite que je m'impose, le côté de me restreindre, je le fais en fait par comme tu vois, tu as parlé de synthèse FM, il y a la synthèse AM aussi, il y a tout un tas de synthèses, et en fait, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré de ce que tu appelles le son, pas la musique, c'est le son, et même ce qu'on va appeler la fréquence, la vibration, et par la suite, en fait, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup, je passe presque la moitié de mon temps à créer, en fait, une fréquence. Je pars de l'onde zéro, tu vois, vraiment le trait, et j'essaye vraiment de créer ma modulation, ma fréquence. Et ce travail-là, c'est encore quelque chose de différent, c'est vraiment une... J'ai commencé récemment, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est encore une autre... Enfin, j'ai commencé récemment, ouais, je m'intéresse de plus en plus à ça, je vais dire, et c'est vrai que t'as raison, c'est encore une autre approche, quoi, complètement. Pour moi, c'est l'approche instrumentiste. Pourquoi ? Parce que, faisons un parallèle avec... un élément matérialisable, c'est un mec qui s'achète sa première Stratocaster et qui s'achète un ampli sur lequel il bidouille. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire, c'est que tu as abordé la pratique de tes logiciels et ta façon d'un point de vue instrumentiste. Tu vois, tu travailles la sonorité. Un instrumentiste travaille sa sonorité, tu vois, ouais. Parce qu'il est enfermé dans sa sonorité. Toi, délibérément, tu travailles ta fréquence pour trouver ta sonorité. Tu vois, c'est ton approche instrumentiste, pas compositeur. Et j'irai même plus loin, hein. C'est-à-dire, je vois beaucoup de compositeurs qui, quand ils travaillent par exemple sur un album, notamment dans la synthwave, on voit que les mecs ont dû bosser plusieurs dizaines d'heures sur la recherche de fréquences, et une fois qu'ils ont leur fréquence, ils font leur album. Et, alors que pour ma part, je retravaille souvent, chaque piste, je retravaille une fréquence. Il faut que la fréquence déjà me corresponde pour que je puisse laisser la créativité s'exprimer. Donc c'est vrai qu'au niveau de la production, c'est plus long, hein, si je puis dire. Oui, tu te débrouilles pour que la fréquence sonore soit la fréquence de ton corps. Mmh. Mmh. Exactement. Très intéressant aussi ça. Ouais. Et ça pourrait être un autre sujet d'émission. Oui, oui. Moi, ça me passionne ça pour le moment. En plus, les fréquences sonores, etc. Et ce que ça apporte au corps ou ce que ça n'apporte pas d'ailleurs. Enfin voilà. Fréquence 430. La fréquence 432. Ouais, voilà. Ouais, la fréquence 432. On pourrait en parler des heures, quoi. Mais ce que tu disais, Fantôme, j'ai envie de dire spéciale dédicace à Léon, hein, 1488, quoi, qui lui, je pense, passe beaucoup de temps là-dedans, quoi, justement. Ah là, il est à fond en ce moment, il est vraiment sur le travail de mix et il découvre son logiciel, il est sur Logic Pro lui, il en parlera forcément mieux que moi, il m'en parlait encore aujourd'hui, là il travaille à fond, là, il bosse, il est vraiment dans une optique d'apprentissage, voilà. Ouais. Et tous les morceaux qu'il compose, il les fait vraiment plus dans l'idée de se dire... Peut-être que je parle en son nom et que c'est pas vraiment le cas, mais je crois qu'il y a quand même de ça. Chaque morceau porte en lui la découverte d'un nouveau truc à essayer, souvent sous forme technique. Il est moins compositeur que bidouilleur, mais ouais. Je vais lui filer un petit coup de main. Il est super balèze, Mais il tend vers le bidouillage parce qu'il a peur de jouer du clavier. Parce qu'il a toujours eu le travail sonore en premier plan. Dans ses différentes approches. Avant, il était même pas dans un. Enfin, il est passé dans Entretien Fantôme à la base. Voilà, il jouait de la guitare. Il avait quelque chose qui passait toujours par le biais d'un logiciel, mais l'approche de composition même n'était pas forcément dans l'hypersonorité. Et lui, il était déjà quoi. Donc, je vais essayer de lui rajouter un petit biais de composition supplémentaire. Et là, il sera. dans les étoiles et plus loin encore. Ah bah on espère pour lui, de tout cœur. C'est cool en tout cas. Bah voilà. Les gars, je sais pas, là on est presque à 2 heures. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on laisse ce format-là. Si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez finaliser un peu les réflexions. Je pense que tout est dit. On a une bonne matière déjà, on va dire. On a une bonne matière. La messe est dite. C'est ça. On aurait pu parler. Enfin, moi, il y avait un truc qui. Vas-y. Je pensais à un jeu en particulier parce que c'est vrai que pour moi, il y a eu une phase aussi que je trouve intéressante. C'est les styles de jeu. Par exemple, à la période des consoles 16 bits, on avait vraiment des jeux qui ne se basaient pas sur un univers réel, tout comme on avait des jeux de football, des choses qui se basent réellement sur quelque chose d'assez physique, un univers qu'on connaît. Et par rapport à la musique, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que plus on se base sur quelque chose qui est connu, plus l'improvisation ou la création, elle n'y est pas vraiment, en fait. Il n'y avait pas... Sur toutes les séries de FIFA, de tous ces produits-là, on n'avait pas vraiment de... C'est de la retranscription pure et dure, voilà. Voilà. On ne te demande pas grand-chose d'autre que de refaire à l'identique. Hein. Ouais. C'est ça. Et à l'inverse, il y a eu un jeu qui m'a quand même beaucoup choqué à l'époque, mais qui m'a fait découvrir aussi un style. J'ai parlé de Comic Zone à l'époque, mais sur PC, j'avais fait la découverte d'un jeu qui s'appelle Carmageddon. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, oui. Carmageddon qui avait pour bande sonore Fear Factory. Mm-hmm. Et pour moi, ça a été Fear Factory qui est du métal quand même assez lourd. Oui. Et plus le jeu en lui-même qui est en fait le but c'est d'écraser les gens, d'exploser les autres voitures. C'est un jeu de course, mais qui finir premier n'est pas vraiment le but. Donc c'est un peu un anti-jeu de course. Chose qui s'était pas trop vue, c'est un peu comme l'anti-héros de Land Hustler que nous a cité Fantôme, donc c'était un petit peu un contre-projet, plus le délire très métalleux par-dessus, et moi j'avais découvert ce style-là à l'époque, et ça a été mon entrée dans le métal. C'est ce jeu réellement qui m'a fait entrer dans le métal, et je me souviens à l'époque de... le fameux CD PC, je l'avais mis dans ma chaîne IFI et j'avais vu que je pouvais lire donc les pistes audio qu'il y avait dessus. Et au final, le CD, il tournait en boucle dans la chaîne IFI où c'était les instrumentales de Fear Factory. Hola tout le monde, c'est Elgadjo. Alors, désolé, à l'époque, j'ai effacé sans faire exprès la fin de l'enregistrement. Il restait plus grand-chose. Désolé pour Fantôme déconnecté qui allait conclure. Mais bon, on avait presque fini et il y avait quelques remerciements ensuite, donc les invités et moi-même, nous vous remercions de votre écoute et nous espérons que vous avez aimé ce format, cette émission. Et donc abonnez-vous bien entendu aux chaînes des invités, aux chaînes des gens que j'ai mentionnés dans la vidéo aussi, à savoir l'INRPG et 1488, donc et bien sûr abonnez-vous comme je l'ai dit aux invités à Fantôme déconnecté et Bencoz. Donc voilà, désolé pour les désagréments et l'attente aussi de cette vidéo. Merci à toutes et à tous, ciao.